Alors, quitter, rejoindre un autre équipage. Là, je peux voir. Ah, ça y est. Moi, je pouvais pas rejoindre. Le chat, je te vois. Je peux pas parce que la zone est maudite encore, du coup. Ok. De toute façon, je vais mourir. Parfait, bon, on va quitter. J'ai bien avancé. J'ai fait, je suis à peu près à 60-70% du jeu. Pas mal. Là, mais je me motive à finir des jeux, là, pour une fois, je me dis, allez. Bon, après, ce jeu, j'ai essayé de commencer à le faire à 100%, mais il est trop long et beaucoup trop grand. En vrai, il est trop bien fait. Attends, fais voir Hub. Ah, c'est comment t'as dit H-O-B? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, soyons sérieux 5 minutes. On va déconner. Le poder. Ah, alors. Le logo me dit quelque chose. Donc, ouais, t'as peut-être raison. Je l'ai peut-être téléchargé ce truc. De quoi on parle? Hub. Mais putain, mais j'avais dit que je voulais la passer, la cinématique du démarrage. Ça n'est pas encore enregistré. Mais chier, c'est connerie. Hein. C'est peut-être pas la même cinématique, en fait. Hein. Ouais. Bah, tout à l'heure, je l'ai pas eu quand je t'ai rejoint. C'est peut-être parce que j'étais dans un bateau. Au large. Ouais. Ouais, comme tu dis. Ah, je pense, hein. Alors, attends. Ah, la saison 1 est arrivée. Gagné de la récompense. Ah, tiens, c'est vrai que ce message, hier, je l'avais pas. Donc, t'as raison, c'est peut-être dû à une... C'est parce que c'est une nouvelle cinématique, peut-être. Peut-être. Bon. Il a déjà vidé tous les tonneaux, quoi. Non, pas tous. Mmh. J'ai fait les deux. J'ai fait ceux dans l'avant-poste et j'ai fait les trois autour du bateau. Ah oui, voilà. Donc pas parce tous. C'est vrai que moi aussi je commence par. C'est vrai que moi aussi je commence par ceux de l'avant-poste. Là, du coup, il y avait plein. Du coup, t'as regardé si t'as vu le truc du requin ou pas? Non, j'ai pas regardé encore. Ça va. Je vais le faire. Je vais le faire. Bon, non, bon, ben c'est juste pour toi. Hein. Ouais, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Ouais. Ouais. T'as fait ta ville? Hop, alors ensuite, donc du coup, tu m'as dit réputation au journal pirate, saison 1. Alors, c'est dans quoi cette connerie? Non. 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 Tu vois, la sirène. Non. Non. Tu sais pas où c'est. Bah attends, je vais regarder, je vais te dire où c'est que je l'ai vu. Combat, aventure, c'est dans quoi? Alors moi, c'est dans épreuve du combat et ouais. Détonateur notoire, c'est... C'est tout en bas? À gauche. Oui, en bas à gauche. Ah non, moi je l'ai pas. Tueur de poudre, je l'ai pas. Moi j'ai faire sauter des squelettes explosifs lors d'une réaction en chaîne et éliminer trois squelettes avec un squelette explosif.
Alors ça, c'est peut-être un truc perso alors à faire. Je Par contre, celui qu'on essaye de faire là, trouver, examiner la plaque, il est dans un deuxième truc. Ah, Il apparaît c'est deux ça. fois. Celui tout en bas à droite, il y est aussi. Alors de quoi? Hein? Dans celui du milieu toujours. Trouver et examiner une plaque. Vois, il y a deux fois. Ah ouais, il faut s'asseoir sur le trône de Ouais. Seaseven, mais il faut aussi s'asseoir sur le trône caché dans une grotte au point K9. Ah, c'est pas mal ça. Ah bah je suis renommé 8. En plomb. Et du coup, je peux acheter mon nouveau familier? Oui! Tu vas prendre quoi? Ah ouais, c'est vrai qu'on s'est Ah ouais, c'est vrai qu'on s'est pris des vraies pièces là. Oh, il n'y a rien à K9. Faut qu'on aille à K9. Tu veux aller à K9? Ouais. Allez, go. Par contre, j'ai pas reçu la bourse de pièces d'or pleine, moi promis. C'est pas grave, ça. Vous faites les tâches là? Ouais. Oui. Là, on va aller à K9 pour faire un truc. On ira aussi à Seaseven pour faire autre chose. Attends, Seaseven, c'est peut-être plus proche là. Alors, Peut-être os de la commencer par faucheuse Seaseven. de niveau 6. Oh putain, les collectionneurs d'or, mais genre Salut Gendarme hop là. 55, merci pour ton follow. Ben ça va bien et toi? Seaseven, Salut c'était par là? gendarme. Ah, ça va nous éloigner de Merci. K9 si on va à Seaseven. Salut. L'enthousiasme. D'ailleurs, C'est pas attends, ça. je vais En passer même temps, dans ton live. je réfléchis à. Bah, Je sud-ouest. réfléchis à ce que je devais faire là, ce que je en même temps je suis sorti du bateau pour faire un truc. Attends, Je sais je plus sais même pourquoi je plus fais si ça. c'est ça que je voulais faire. Ah Attends, putain, c'était je dans sais quoi plus je ce que l'avais je voulais vu? foutre. Ah oui, c'était ça. Le truc Ok, K9 là. attends, je coupe de Là. retour son. Donc, ouais, Ça c'est bien le semble trône de être. Seaseven. Donc, il faut qu'on retourne à Seaseven. Et on doit s'asseoir sur un trône. Trop bien ça. Ouais, en argent dans le jeu, je suis pas mal, ouais. Je t'avoue qu'en fait, bon, T'es pas mal, t'es pas mal. j'ai des bonnes, Y a j'ai des deux. réputations qui sont bien montées, tu vois. Genre des. Ouais. Après, y a mieux, hein, mais voilà. Et Ah le truc, oui. c'est que j'achète jamais rien, donc forcément, Genre mal, on achète tout pour lui. y a de l'oseille. Voilà, c'est même les missions, tout ça, c'est pas moi qui paye, c'est les copains. Donc voilà. Ouais, les copains, ils sont riches. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Voilà. T'as fait un peu les tonneaux avant de partir, histoire bouffe et planche au cas où. Ouais, j'ai fait un petit Oui. peu. Bon, après, tu sais. Si on vient rencontrer des petits problèmes. Non, t'inquiète, tu auras pas de problème. Ouais, ça commence toujours comme ça. Le vendredi, Fortnite est de retour. Remporter des récompenses supplémentaires chaque semaine. Fortnite est de retour. Ah, c'est une nouvelle saison, sûrement. Non, non. Comment ça, non? Bah, c'est dans récompenses régulières. Remporter des Ah, putain, récompenses non! supplémentaires chaque semaine Ouais, en non, c'est vendant bon. du butin rapporté des Non, mais. forteresses. En fait, c'est pas Fortnite le jeu, c'était Fortnite la nuit, le fort de nuit de ce jeu-là. Oui, c'est ce que j'ai Ok. dit. Fortnite. Oui. Désolé, mais c'est un peu proche. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Eh, On crie au gaming. scandale. On crie au Oh, ça scandale. va. Abattez un mégalodon aujourd'hui pour gagner un gros bonus de doublon. Bah, tu sais quoi, tu te prends un sloop et tu t'occupes de ton mégalodon de ton côté, hein. Bah Tu déjà, il y a te Alex qui démerdes comme un s'occupe grand. déjà il y a Alex qui s'occupe du brigantin comme un grand, parce qu'il est parti tout seul. Oui, je Parce que suis je sais même parti. pas où. Ah ouais, Bah, non, c'est mais pour Benoît, gagner il un est peu vraiment de temps idiot. pour arriver. Parce que j'ai envie d'aller à Seaseven avant d'aller sur K9. C'est juste, Ouais. je vais vite faire mon petit voyage là-bas. Vous pourrez pop pour récupérer la tâche de la quête. Non pas la quête de Alors, la quelle tâche, tâche de quelle attention. quête? Et voilà. Et parce que Comment? 2 sur 57, moi j'en ai pas beaucoup qui sont affichés, hein.
Alors attends, parce que en fait, si tu veux, le chiffre 2 sur 57, c'est quand tes quêtes sont réussies. Mais pour réussir une quête, il faut faire 3 tâches. Faire 3 trucs, ouais. Donc si ah t'as, oui, t'as que 2 quêtes. Wow. T'as que deux quêtes complètes, mais du coup t'as peut-être des tâches éparpillées un peu partout. Enfin, alors peut-être pas un peu partout, mais oui, t'as c'est des. Ça. Et là, on en est où là? Alors, on les fait pas dans l'ordre, on les fait un peu à l'arrache. Mais moi, là, je vais faire du coup, et tu pourras l'accomplir aussi. Tu vas sur les épreuves de l'exploration, sur la deuxième page. Tu as en haut à gauche pourquoi chercheur de sur trône. Cette île, là, je crois. J'ai pas bah, écoute-moi. Et si tu m'écoutes pas, ah, oui. Tu vois, ça va. Parce que descends du bateau, j'en ai marre. Tu alors sors. T'as dit quoi? Je suis les épreuves d'exploration. C'est moi qui est voilà. Je fais ce que je veux. Tu vas sur la deuxième page, à droite. Et ouais. En haut à gauche, t'as chercheur de trône. Je vais et là, en fait, ouais. Il faut t'as navigué jusqu'à Seas Haven. Donc moi, je l'ai déjà fait, mais ça, et on est en train de le faire. Okay. Et ensuite, t'as s'asseoir sur le trône de Seas Haven. Donc ça, on va le faire. Et après, on ira au trône caché de K9. Comme ça, on aura fait ce truc. Attends, il y a un truc. Trône. Il y a un trône à Seas Haven. Apparemment. Putain, je vois pas où il est ce con. Eh ben, c'est ce qu'on va devoir se trouver. Parce que tout à l'heure, l'île, on l'a. À moins que ça soit un. Souvent, les trônes, des fois, ils sont pas trop accessibles comme ça. Il faut soit se canon, soit il faut sauter. Ah, il faudra trouver où il est. Accepter. Ah, purée, ça y est. Ah, c'est bon, ça remarche. Est-ce qu'il est marqué qu'il était caché? Non, non, il est pas caché. Il est juste un trône sur 6 events. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tant il est dans une grotte où il faut sauter ou un truc comme ça. Quoi. Ah, peut-être. Hein. Alors, j'ai enlevé mes lunettes, donc je vois plus du tout ce qui se passe. Voilà, je vous préviens. Bah, actuellement, là, on est sur Zooticon. Ah. Qu'est-ce que tu veux, Ilia? Oh, tu t'énerves pas comme ça. Hein. Je l'adore des... quand il se fight avec son chat. Ne me lâche pas des liens en haut comme ça. Ça y est, t'as fait ton tour. Pousse le chat. C'est bon, je suis là. Le trône, je crois qu'il est dans la partie centrale de l'île. Ah merde, j'ai pas acheté mon macaque du coup. Ah, c'est un singe que tu vas prendre? Ouais, je pense que je vais prendre le singe. Tu lâcheras pas pour le chat. Il nous les laisse. De toute façon, toi, tu. De toute façon, vous êtes team chat donc bon. Ah bah oui, bah clairement. Et pourtant j'ai pris un chien, mais c'est un Shiba, donc c'est un petit peu un chat. Donc, K9, c'est là, c'est ici, on y est, c'est non, non, on est à la Seas Haven, là. Ok, il faut trouver un... Un fauteuil. Ah, il a eu peur, le pauvre. Ah merde, j'ai complètement loupé mon abordage. Mon abordage de l'île. Ouais, bah Benoît, il a complètement loupé l'île, il est au milieu du lac, lui, alors, comme ça, au moins. J'étais un poil trop bas. Ah mais c'était un capitaine. Ça l'est toujours d'ailleurs. Bad Omen Davis. D'ailleurs, si sur cette île tu rencontres à tout hasard une peinture murale avec laquelle tu peux interagir. Alors je sais pas s'il faut forcément pouvoir interagir avec elle, mais il demande à ce qu'on trouve des peintures murales et apparemment sur cette île aussi. Mais le problème c'est qu'il y en a partout des peintures murales. Donc c'est ça que je comprends pas trop. Il y en a partout sur l'île. Alors je sais pas ce qu'ils veulent qu'on cherche exactement. Peut-être que la tâche est un peu buggée, parce que ça c'est une belle peinture murale. Ouais, c'est chaud cette histoire. Bon, dans tous les cas, là on est venu pour chercher un trône et s'asseoir dessus. Le trône de Rome. Alors je sais pas du tout où est-ce qu'il peut être. Ah, j'ai pas souvenir d'un trône sur cette île. Moi. Mais non, c'est ce que je te dis. Moi non plus, c'est pour ça que je te dis qu'il doit être à un endroit où on n'a pas l'habitude de passer. Et généralement, comme tu dis, les trônes ils sont pas dans des zones facilement accessibles. Non. Non, non. Mais après, ils sont quand même visibles. Oui, parce qu'ils doivent donner envie d'y aller. Bah oui. C'est le truc. Mais après, voilà, il faut les trouver. Ils sont peut-être cachés derrière une grotte, cachés dans un.
Bon, c'est pas Après, si caché c'est pas ailleurs. accessible à pied, c'est forcément par canon. Et du coup, en canon, on devrait pouvoir les Oui. voir depuis l'extérieur. Ou en tout cas, ah, si c'est comme. Il y avait une île où je me rappelle qu'il fallait se faire éjecter sur une zone de l'île pour arriver dans un trou. J'espère que c'est pas les mêmes bails ici, tu vois. Your asshole. Mais qu'est-ce que Ah tu oui. veux? Oh, ce chat est incroyablement Bah, elle veut agaçant. manger. Mais Elle veut non, elle a à manger. manger. Elle a mangé, elle a à boire, elle veut jouer là, c'est tout. Mais elle veut toujours jouer quand tu vois? Bah oui, parce que tu t'occupes pas d'elle. Tu la Ben oui. délaisses. Mais tout le long de la journée, je Comme suis là, je suis d'habitude. avec. Je suis avec elle la journée. Enfin, là où, pour le coup aujourd'hui, parce que d'habitude je travaille. Mais là, je suis resté avec elle toute la journée. Non, mais elle veut pas jouer. Elle veut juste être tranquille. Et là, maintenant, que je veux être tranquille, elle veut jouer. Bah c'est un chat, félicitations, tu as compris comment fonctionne un chat. Ils font pas tous comme ça. Ramène-le à l'animalerie. Je vais le ramener à la SPA. Je lui dis, je vous le rends. Je fais un échange. Ouais, le problème, il veut tout le temps jouer Moi avec je veux toi. un chat qui joue quand je veux jouer et qui me fait pas, qui m'emmerde pas quand je veux pas. C'est ça. On m'emmerde. Non, mais elle est adorable. Bah heureusement. Ah, c'est bien la seule chose qu'elle a, hein. Non, elle a plein de qualités. Et lesquelles? Elle cuisine, elle fait le ménage. Non, ça c'est Mamako. Non, elle fait, elle est mignonne. Pas une qualité mignonne, hein. Elle fait quoi d'autre? Elle perd pas trop ses poils et quand elle les perd en boule. Du coup, c'est rapide à ramasser. Ah, ça, peut-être parce qu'elle les vomit, non? Non, non, pas en boule, genre vomi, genre comme si tous les poils de son corps se rassemblaient à un endroit et qui pouf, Ah ouais. il lâchait une boule. Tu vois? Du coup, ça fait que t'as pas des poils collés partout dans les fauteuils et tout ça. Bon, je crois que j'ai trouvé un trône, mais il faut ramener le bateau. Il est où? Il est à l'extérieur de l'île. Ah Quel mais ça côté? c'est tout à fait. J'arrive, je vais chercher le bateau, Il est j'arrive. de quel côté de l'île? Bah là où je suis. Et t'es où? Bonne question. Je suis dans l'eau. Alors t'es loin d'après ce que je dirais. Faut que Moi tu j'ai prennes pas. direction. Faut que tu prennes direction. Est, nord-est. Plutôt est. Ok. Ça semble être la bonne direction. Ah mais t'es loin gros hein. Ah, je suis loin, je suis loin. Déjà, je suis tout à l'est là. Je vois le bateau. Tu vois le bateau, toi? Oui moi je vois, je nage en direction du bateau. Ah, mais On nage tous en direction du bateau. Bah Donc non, moi je l'eau est suis sur beaucoup le haut plus de l'île. profonde. Mais du coup, je vois pas où vous êtes. Enfin, où ça peut être. Bah c'est dans l'eau, donc déjà. Non, mais toi, t'es dans l'eau. Mais le trône. Bah il est aussi dans l'eau. Comment ça, il est dans l'eau? Le trône, il est dans l'eau? Ouais. Mais il est pas sur Après l'île, je sais pas alors? si c'est un trône, mais c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'on peut chercher. Mais il est pas sur Mais l'île, c'est alors? possible, hein. Bon attends. Comprends pas. Retourne. Mais je Faut comprends pas faire où elle. demi-tour toute. Demi-tour toute. Oh, j'ai gagné de la renommée. Ah bon? Ouais, je suis passé niveau 13, ma gueule. J'ai gagné la lanterne du Kraken chevronné. Boum. Alors, Mais t'es passé niveau 13, t'as fait quoi pour passer niveau 13? ben, j'étais là. T'as rien fait de plus que nous? J'étais là, gros. Non. Ça suffit. Le vieux l'a dit, tu. Oh. Qui c'est qui me tire dessus là? Qui ose? Ça bouge dans ces fleurs. Nya. C'est toi qui me tire dessus. Du coup, Bah, tu peux faire le contour de l'île proche et c'est le caillou qui sera juste à droite là. Le caillou Hein? Mais du coup, il est pas sur l'île, le trône? Oui et non. Bah si, il doit être Oui sur un et rocher en non. dehors de l'île. Alors,
Oui et non. Je te remonte la voile. Ah, je le Bon, vois c'est pour aussi, toi ouais, là? ça y est, ouais, sur le caillou, il y a un petit truc en bois, ouais. Avec, bah oui, ça ressemble beaucoup à un trône. Mais il y avait un canon à côté sur l'île. Mais tu penses qu'en sautant, ça marche pas, t'as essayé, c'est ça? Oui, bah tu peux pas grimper. Ah oui, mais c'est ça, hein. Ça va falloir bien viser là. Hein. Allez, je vous Bah regarde. tu me vises. T'aurais dû arrêter le bateau. Je pense que tu devrais tirer l'ancre là par contre. Non, Benoît, il est fort. Non, non, mais parce que le bateau continue à avancer. Si on ne fait pas du premier coup, après, ça va être la galère. Hein. Ah. Ah. Ça a pas marché, non? Tu t'es écrasé sur l'île? J'ai oublié d'enclencher le feu, je pensais que c'était Loïc qui allait tirer. Du coup, tu t'es écrasé sur l'île? Ah, du coup, j'ai foncé tout droit contre le mur. Je vais tenter. Ah, ah, je suis allé trop loin. Ah, j'étais pas loin, hein. Ah. Un peu décalé, mais c'est presque ça. Non mais oh, je me suis fait tirer dessus par un squelette. Pendant que je faisais ma cabriole. Ma cabriole. Ah. Moi je vais le tenter depuis la île. Parce que j'étais pas loin. Je suis allé un peu trop loin en fait. Donc je pense que c'est jouable. Là! Toi, ça avait donné quoi quand tu l'as fait depuis l'île, Benoît? Un poil au-dessus et c'est bon. Ah, mais on avance. Le bateau il avance parce que Benoît il avait pas remonté la voile à fond, Oh, putain. facile d'accuser les autres, hein. Mais c'est toi qui t'en es occupé des voiles. J'avais proposé que vous lâchiez l'ancre, vous l'avez pas fait. Non, mais c'est. Mais depuis que Loïc il sait qu'il n'y a pas besoin, il veut plus. Laisse Ah tomber. oui, mais là, il faut vraiment que le bateau il bouge pas du tout, tu vois, donc. Non, je vais bien viser là. Bah, je suis. Voilà. Est-ce qu'il y a une interaction à faire, quelque chose? Bah, il faut que Faut tu que tu t'assoies t'assoies sur dessus. le truc. Bah, je suis dessus. Il faut que je. Bah, il faut que tu t'assoies. S'asseoir. Merde. Et après, tu Mais vérifies bon. dans tes quêtes que ça soit validé. Promotion obtenue. Mais non, mais c'est pas une promotion. Regarde dans tes quêtes. Je crois que ça compte pas comme des Bah, et en même promotions, temps, j'ai ça. eu une promotion. Tu cherches la bagarre? Mais non, mais c'est pour toi que je dis ça. Il cherche la bagarre. 2 sur 3. Asseyez-vous sur le Eh trône. ben voilà, c'est bon, bravo, félicitations. Oh, tu veux quoi encore? Yes, c'est mort. Yo, tu es. Attends, je te vise. Oh, le chat! Putain, juste à côté. Tu cries pas sur le chat! Bonjour monsieur le chat. Allez, allez, oui, j'y suis. Hop. Non mais non, il y a que moi que ça marche pas. Arrêtez de me tirer dessus, j'ai plus de vie. Pourquoi moi ça marche pas? Voilà. Arrête le chat, s'il te plaît. Mais non. Putain. Je t'attends sur le trône, hein. Ouais, bah, et on va y passer l'après-midi. Ah bah de toute façon on a le temps, non? C'est vrai. Mais moi ça l'a pas validé moi. Parce que t'as pas fait assis. Ben si je suis assis, j'ai eu la promotion mais j'ai pas eu le truc de Bah, si, les... mais faut que tu t'assoies réellement. Non mais je l'ai fait, je te dis. Bah, refais-le. Eh ben je le refais. Voilà, je suis toujours assis, comme tout Ah, à bah, c'est l'heure. bon. Ben je l'ai pas. Bah si, regarde de nouveau. Bah là, j'ai plus l'accès aux progressions saisonnières. Mais non! Mais tout à l'heure, j'ai eu Putain. la promotion, comme tu l'as eu toi, mais j'ai pas eu le truc dans les récompenses saisonnières. Ah. Loïc, je vois pas où est le problème. Ouais, il est là, hein. Et moi, mon...
Ben moi, le personnage, quand je vise, je sais pas, il part directement sous la truc. Et bah faut que Alors t'attendes que. que le bateau se relève un petit peu, il y a un petit peu de Mais c'est vague. ce que je fais. Ben Ah voilà. voilà, putain. Non mais... Ben c'est ce que je faisais, mais je sais pas pourquoi il partait direct en dessous. Tu veux pas t'asseoir sur mes genoux? Si. Mais pour ça, il faudrait que tu t'en ailles. Bah tu peux t'asseoir si tu peux supplier. Moi j'attends de voir mes Bon. progressions saisonnières là. Ah ça y est, c'est revenu. Alors, ça y est. Je pense qu'en fait t'as le temps de chargement. Vas-y, tu peux t'asseoir. Tu veux plus maintenant? Ben, je l'ai pas fait. Non, Non, tu t'as fait t'es supplier, pas fait s'asseoir. supplier, pas Mais s'asseoir. si, il m'a dit que je l'avais fait. Moi je t'ai vu, t'as supplié, tu t'es pas assis. Là, t'es assis là. Voilà. Du coup, regarde dans tes Mais il m'a. récompenses saisonnières. Bon, bah, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai trouvé. Allez, on dit en K9 maintenant. Check tes Alors, attends, récompenses c'était dans saisonnières quoi avant de ça? partir. C'est alors C'était dans celui quoi du ça, milieu. choix? Celui du milieu. Oui. Oui. Deuxième page, en haut à gauche. Oui. Deuxième page, en haut à gauche. Asseyez-vous sur le trône caché en K9. Allez, go, c'est parti. Ouais, c'est là où on va. Arrête de gaspiller les boulets, toi. C'est mes boulets, j'en fais ce que je veux. Non, c'est mes boulets. Ils y ramassent sur l'île. Si on devait gâcher un boulet, il faudrait qu'ils se mettent dedans. Salut Omega, comment ça va? Oh, c'est ton troisième mois déjà? Putain, mais ça passe tellement vite. Putain, ça fait 3 mois déjà, mais c'est ouf. Le temps passe vite quand on s'amuse. Pourquoi on s'en va pas là? Faut tout faire sur ce navire. Hein. Alors, dis-moi, Omega, j'ai une question. Je me suis supposé hier. Est-ce que tu as pris du coup le Season Pass de Sea of Thieves? Comment ils appellent ça? Le Treasure Pass? Non, le Plunder Pass. Plunder Pass, ok, d'accord. Est-ce que tu as pris Plunder Pass? Ah mais tu peux toujours le prendre, hein. Il existe que depuis hier, hein. T'inquiète pas, tu n'as rien loupé, gros. C'est tout nouveau. Ah, le compte bancaire. Ah, il est vide. Attends, comment ça? Ben là, pour le sub, je t'ai pas au Ah bah courant, non, gros, mais attends, mais il faut que tu arrêtes de sub alors si ton compte il est vide, gros. Faut pas que tu subs si ton compte il est vide. Garde ton fric. T'es fou toi? Donc K9 les gars. planeur, plein nord. Ah. Il vient de faire son premier prêt bancaire pour toi, hein. T'es peut-être pas au courant, mais. Non mais Omega, faut pas que tu dépenses pas ta thune. C'est bon, t'inquiète, hein. Surtout pas même. Du coup, t'as acheté quoi comme singe maintenant? Ah mais je l'ai pas acheté du coup parce que j'ai oublié comme on est parti Ah trop mais tu... vite. Ah oui, il faut que tu retournes dans un avant-poste. Bah si tu veux, va dans un avant-poste et nous on s'occupe du bateau, hein, t'inquiète. Non, 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 t'inquiète, c'est bon. Toute façon, un jour ou l'autre, on retournera à un Il faut avant-poste. faire demi-tour, on va sortir de la map là, direct, vite. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait prendre plein nord. Mais personne Bah m'écoute. il fallait tourner le bateau alors. Bah non, parce que c'est pas moi qui ai. Ah! Bravo! Voilà, on a fait le Je demi-tour. sais. Bon, on m'a dit demi-tour, je fais le demi-tour, hein. Oh, mais de toute façon, c'était à faire. Du coup, c'est bon, ça a compté, cette merde? Je sais pas. Je sais pas où il est le truc. Faut aller K9. en K9. Oh merde, c'est loin. Oh, on en a pour 3 jours là. Bah on va pêcher en Salut. attendant. Bah ouais, profite, hein. Ah bah écoute, moi j'ai pas 3 jours, hein. Donc ça va pas être Ah, tu vas compliqué mettre un cette turbo histoire. boost? Regarde, ça va pas être compliqué, hein.
Je vais me mettre là. Et je vais dormir. Ouais. Voilà. Vous me réveillez quand on arrive. Pas de problème. Mais on se... T'as pas 3 jours, mais t'as 3 nuits, quoi. Ouais. Non, mais Omega. Tu vas pêcher avec moi en attendant. Faut que t'arrêtes de dépenser ta thune comme ça, hein. Sérieux. Là, ton sub, si tu veux, je vais te le rembourser. Mais claque pas ta thune comme ça. T'es trop près de l'eau, t'es trop près, tu vas me faire perdre mon poisson. Bah, c'est peut-être R, mais t'as plus rien, quoi. Donc, c'est que c'est pas R, tu vois. C'est un kebab, 5 euros. Non, c'est le menu kebab, 5 euros. Non. Oui, c'est le menu kebab, 5 euros. Ça dépend chez qui tu vas. Ah, 4,50, allez. Chez nous, les kebabs, ils sont pas chers. Ils sont pas chers. Nous, c'est 4,50 ici, je crois. Majorité. Bah, comme je te dis, ça dépend chez qui tu vas. Mmh. Mais après, la moyenne, oui, c'est ça à peu près. 4,50, 5 euros, quoi. Je dis ça, c'était à l'époque du lycée, tout ça. Bah oui, aujourd'hui tu ne sors plus, tu ne bois plus, tu ne manges plus de kebab. Enfin, en vrai, oui, tu manges plus de kebab. Mais tu manges un falafel. Ouais, au falafel, je les mange. Mais est-ce que le falafel, c'est le même prix, du coup? Oui. Bah ouais. Renommée augmentée, vous êtes désormais niveau 9. T'es tombé dans l'eau, là. Oui, je sais, et surtout que j'ai un bon poisson. Bah, non, mais je vais le perdre. Pourquoi tu vas le perdre? Bah. Range ta canne à pêche, il reste accroché. Hein. Je quitte la barre parce que je vais prendre un verre d'eau, donc comme ceux qui veulent, on sait jamais. On sait jamais. Bah, on espère alors, hein. Écoute. Inch'Allah, comme on dit dans le milieu. Je préfère vous laisser la main. Ah bah écoute, Benoît il est dans l'eau, moi je suis en train de pêcher. C'est bon, je suis là. Regarde ce que j'ai pêché. Il a l'air déjà cuit ton poisson. Il est pas cuit mon poisson. Ah ouais, il est jaune. Bah, il est rose, il est rosé quoi. Comme le cubi. C'est vrai. Généralement il est rosé lui aussi. C'est une écaille ancienne d'amande trophée. Loïc, notre pêcheur, va pouvoir te donner le tarif avantageux de ce poisson. Il veut quoi, pardon? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il faut que je lui donne? Une écume... ancienne amande trophée. Écume ancienne trophée. Écoute, ah merde, j'ai mis ce clic. Ah, ou alors j'ai... Ouais. Rien à foutre, tant pis. Tant pis. Alors. Alors, pour ce faire. Ceux qui nous ont quittés seront là où nous vivons. Allez, on attend que ça charge. Bon, est-ce qu'on a toujours le bon cap ou est-ce qu'il faut que je rectifie un peu là? Une fois qu'on a défié avec les vagues. Dans la paix ou la joie, plus personne ne nous parle. Nous serons qu'un. Alors attends, j'ai perdu le tableau des voleurs des poissons. On va se prendre un procès de Walt Disney au cul. Ah ouais. Ah, je pense qu'au niveau de l'interprétation, ils peuvent voir la différence entre l'original. Je crois pas. Moi franchement, honnêtement, hein, j'étais là, je t'ai écouté, Benoît. Moi, j'ai cru que j'étais devant le film. c'était pareil. Et sans langue de bois. Hein. Uh-huh. Alors, on a dit que c'est. Tu laisses quand même quelqu'un suspicieux, hein. Oui, mais Loïc, il est toujours suspicieux. C'était une déferlante, c'est ça? Ouais, trophée. Oui, mais quoi après? Après quoi? Ancienne. Non, c'est une écailleuse ancienne ou je sais pas quoi. Ah, écailleuse, pardon.
Écumeur des îles? Non, c'est pas ça. Vraiment pas non plus. Je sais pas, ah, en fait. Écaille ancienne. Écaille ancienne, voilà, c'est ça. Ancienne. Écailleuse, écaille, c'est pareil. Et après, c'était quoi? Fumée, hein, amande. Amande, trophée. Amande, trophée. Amande, ouais. Trophée, 850. Allez. 8. C'est qui ramène la thune à la maison? Ah, c'est sûr qu'avec la queue éclaboussante rubis que tu viens de choper. Ouais, ça fait 75 toujours, hein. Eh, hey, mais personne me le dit, mais on va en direction de M au lieu d'aller en direction de K, putain, mais c'est pas possible, mais c'est quoi? Mais on pêche, nous. C'est pas possible. Bah oui, mais de temps en temps, vous pouvez pas me jeter un coup d'œil au cap? Bah non, on est en train de pêcher, nous. Quand on pêche, on peut pas. Pour ça, j'ai envie de te dire. Genre, là, je pêche un poisson, je peux pas lâcher le poisson, lui dire, gros, attends 2 secondes, je vais voir la carte. Le poisson, il va me dire, non, il va pas me le dire. Bah là, si tu pêches maintenant, peut-être qu'à côté, quand on passe à côté d'un fort des FDD, là. J'ai lâché le poisson. Super. J'arrive pas à pêcher aujourd'hui, hein. Mais pourquoi tu viens chez moi? Mais parce que toi t'arrives à pêcher, alors je me dis peut-être que si je pêche à côté d'un grand pêcheur, j'arriverai à pêcher. Voilà, ça y est, ça commence à voler les poissons des autres. Non mais je vole pas ces poissons. Voler. Mais je veux pas voler tes poissons, je veux juste profiter de ton savoir-faire. C'est ce que disent tous les voleurs. Mais je ne veux pas vous voler, madame, je veux profiter de votre savoir-faire. Je veux profiter de votre thune, c'est tout. Et vous venez faire mon savoir-faire chez moi à minuit et demi? Non, madame, oui. Je ne vois pas le rapport. Elle dit qu'elle voit pas le rapport. Allez. Les poissons aujourd'hui, ils sont extrêmement désagréables. Hein. Bah du coup, j'ai eu le même, mais sans trophée. Ah. Quand tu iras voir le poisson, tu pourras me dire au niveau du cap comment on est. Oui. Écoute, bah plein nord, hein, j'ai envie de te dire. Ok, c'est bon. C'est une queue éclaboussante rubis, je crois. La célèbre, l'éternelle, la saisissable. Tout ça parce que t'aimes que ça éclabousse. Ah, oh, que éclaboussante rubis. D'ailleurs, t'as vu qu'il existe la canne clé éclaboussante rubis. Sérieux, je la veux. Elle est dans. Ça, on arrive à K9 là, non? Ah, j'en sais rien. Je crois que c'est celle-là, dit le K9. C'est la seule qui est pas sur la carte. Ah non, c'est pas ça, c'est après encore. Bon, la manœuvre va être délicate, mais. Ouh, j'en ai eu un bizarre. Attends, tu vas passer sous le pont là? Non, non, mais mauvais plan, mauvais plan, mauvais plan. J'ai un poisson rare. Mais tu nous fais chier avec tes poissons rares là. Bah, je suis désolé, je suis le seul à être performant. Hein. On va réduire la vitesse, capitaine. Ça augmente la maîtrise. Tant que vous collez pas les rochers du côté gauche, moi ça me va. Hein. Ben, je vais essayer. Oh, cette maîtrise. D'abord, moi, mon capitaine, c'est le plus fort de tous les capitaines. Non, je sais pas s'il est fort. Faut que tu passes à gauche de ce rocher. Ah, alors là pour rentrer ça va être en max parce que... Bon ben passe à droite et tu reviendras après. Bah oui parce que là les voiles on les avait pas assez montées pour que je puisse tenter la manœuvre. Désolé, pardon, excuse-moi, ça va être ma faute. Non. je te dis juste que je pouvais pas la faire la manœuvre que tu m'as demandé là. Et qui a une queue éclaboussante au créé? C'est Vivi. Oh c'est une au créé. Il a une au créé. Mais j'ai l'impression que créé. Depuis qu'on l'avait jamais eu maintenant on en a tout le temps. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est toujours les autres qui en ont, jamais nous. Oui, bon, ça après, ça c'est autre chose. C'est la prochaine île, Alex? Ouais, c'est la petite qu'il y a en face de nous là. Ah bon, bah bientôt on va remonter les voiles alors. Oui, mais on n'est pas arrivé encore.
Ah, je pense que Benoît peut pêcher une queue éclaboussante rubis classique d'ici là. Je sais pas. Ah, Benoît, tu touches même pas le sol. T'es genre en suspension à droite de la pointe là. C'est le talent. Sur la pointe des pieds, c'est comme ça qu'on pêche les meilleurs poissons. C'est fort. C'est donc ça le secret. Ah, j'ai bien fait de venir pêcher à côté d'un expert comme toi. Elle est à bâbord, l'île, hein, Loïc. Ah ouais, mais j'attends que. Sur mon monte un peu les voiles là. Ah bah, il y en a une qui est complètement montée déjà. Oui, mais j'attends. Alors, c'est quoi cette île? Ah, j'ai mon nez qui pique, c'est désagréable. T'as quoi? Le nez qui pique. Ah oui. C'est Pimousse. Ça pique pas, ça arrache. Bon, a priori, là, on n'aura pas besoin de se catapulter quelque part sur l'île. Hein. Elle est toute plate. Alors, ça sera peut-être encore plus dur. Ça va être peut-être sous l'eau. Non, mais comme c'est une île cachée, peut-être que, tu vois... Elle est là, la difficulté, c'est que personne ne la voit, cette île. À part nous. Parce que nous, on sait. T'es tombé, Benoît? Ouais. Ouais, il fake tombé, le mec. Il est parti en avance. Alors. Il y a un bateau sous l'eau. Ouais, j'y suis, je suis en train de chercher pour voir si c'est pas un drone de bateau. Après, le trône. Alors le trône est caché, alors c'est possible aussi qu'il y ait une grotte quelque part. Hein. Sous l'eau. Ouais, d'abord je cherche au niveau du bateau et après sinon... Quand il n'y a pas de siège du capitaine au niveau du bateau, où il a dû tomber plus loin. Ah! Il y a un Shiba sur l'île! C'est le tien? Et c'est pas le mien! T'es sûr que c'est pas le tien? Ah, je suis sûr, j'ai pas sorti mon Shiba. Et là, il était là, il attendait. Genre, je peux pas interagir avec lui. Genre, comme s'il attendait son maître. Le pauvre! Il y a peut-être quelqu'un d'autre sur l'île. Non, non, c'est pas un Shiba de joueur, ça, c'est un Shiba implanté, ah, que oui. Le jeu a implanté, ah, oui, comme oui, ça. C'est un Shiba PNJ. Il est gros, hein, par rapport au tien. Ouais, il attend son maître, le pauvre. Oh, petit tout, et tu restes tout le temps là tout seul. Remarque, tu peux pas aller ailleurs. Hein. Attends, je vais te faire un feu, comme ça tu auras pas froid, moi. Un feu? Mais qu'est-ce qu'il faut? Voilà, ça tu seras au chaud, petit Shiba. T'es trop mignon. T'as faim? Tu veux manger ça? Non? Il s'en fout. Le pauvre. Ça me fait de la peine de le laisser tout seul ici. Beaucoup de peine. Mais non, t'inquiète. On peut mettre fin à ses jours si tu veux. Non, on reviendra tous les jours il le voir. Il n'attendra plus. On reviendra tous les jours le voir. Maintenant, qui c'est qu'il y a un Shiba sur une île perdue? Il y a un Shiba en canef. C'est incroyable, on n'était jamais venu sur cette île. Ah ouais, non, ça pour le coup. Sinon, on l'aurait su qu'il y avait un Shiba. Ça, c'est sûr. Le pauvre. C'est le seul survivant de l'équipage. Probable. Il a quand même un joli camp, hein, pour le seul, un chien seul survivant. Ah bah écoute, il est balèze. Hein, c'est un Shiba, ça sait faire. Hein. C'est intelligent comme chien. Ah, il devait y avoir un perroquet ici aussi. Parce que j'ai une cage de perroquet sans perroquet. Et là, j'ai un capitaine qui est mort. Et là, il y en a un autre aussi. Il y a beaucoup de... C'est pas une île très joyeuse ici. Hein. Il a dû se passer des choses ici, moi je te le dis.
Ils sont battus pour le trône, hein. Ouais. C'est, y a moyen, ouais. Bon, bah écoute, je pense qu'il doit y avoir une grotte quelque part. Je vois ah, pas. Il faut passer par l'eau, hein. Au plus probable. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Ah, c'est bon, j'ai trouvé une grotte là. T'as trouvé une grotte sur l'île? Ouais. Sous. Entre les, sous deux l'eau. Les deux morceaux de bateau. Ah, je l'arrive. Moi j'ai fait le tour de l'île par l'extérieur, sous l'eau, j'ai rien trouvé. Hein. Ah, mais c'est à l'intérieur, c'est au centre. Oui, oui, non, mais moi je te dis, j'ai fait le tour de. Prenez bien de votre l'île souffle. Par hein. L'extérieur. Hein? Prenez bien votre souffle parce que ça fait. Il y a long c'est à long. Parcourir. Hein. Vous voyez de quoi manger. Ça y est, je vois la sortie. Alors, t'as dit entre les deux bateaux? Ah non, oui. Ouf. Allez, je m'en suis sorti. Ah, je commence à perdre de la life. Ouais, sous l'eau, entre les deux bateaux, tu vas trouver. Ah, je crois que je pense avoir trouvé, peut-être. Bah alors, si t'as trouvé, remonte juste devant et après... Oh, il est là, le truc. Je vais m'asseoir. Oui, j'ai une promotion. Renommé niveau 14. Yes, champion. Asseyez-vous sur le trône squelette sous les vagues. Renommé 10. Et genre c'est tout, genre on a trouvé ça, il y a juste un truc comme ça dedans, genre il n'y a pas d'argent. T'imagines que les mecs en plus ils se sont fait chier à faire ça. T'as trouvé le bookie? Bah écoute, je suis pas bien. Donc c'est pour ce que t'as trouvé. Non, je vais crever. Mais non, t'es presque arrivé. Bah non. Comment ça, non? Non, je suis mort. Non, fils, remonte là. T'as juste à remonter. Ah bon? Vas-y, continue. Remonte. Et mon personnage, il est pas bien. Vas-y, remonte. Il est pas bien du tout. Remonte. Oh, je vais crever. Je vais crever. Non. Il me reste deux. Et non. Mange. Et pourquoi oh, tu manges pas? Quoi? Tu peux, parce tu peux manger sous l'eau. Finir de remonter. Non, mais, oui, mais si tu manges, ça te regagne de la vie, donc tu tiens encore un peu plus longtemps. C'est ouais, cool, ouais. Mais ça te donne de l'oxygène. Il faut que t'ailles là où il y a Benoît. C'est par là, là où je suis. Ah. Pourquoi mon personnage, il arrive pas à monter sur la rambarde hein? Alors c'est un petit peu bugué, c'est vrai, il faut que t'ailles sous l'eau pour ouais. Pouvoir monter. Ouais, fin... c'est bon. C'est d'ici. Ok. Merci. Ouais, il devait y avoir un chemin. Il y a un autre chemin en fait qui est plus rapide. Oh putain, il y a un requin aussi. Ah cool, bah, je vais chercher de la dynamite. T'as trouvé un autre chemin qui est plus rapide? Ouais. Ah bon? Bah j'ai pu ressortir plus rapidement que ce que je. Que ce que je suis rentré. Que tu es entré, oui je confirme. Je l'ai suivi. Le requin il te suit Benoît, il te veut. Il va te faire les fesses. Pas le time. Je suis trop speed, j'ai pas le time. Par contre moi je veux bien me le faire si je trouve Il y en a pas sur l'île. T'es sûr? Ah ouais, pour avoir fait le tour de l'île, il y en a pas. Vous voyez où le bateau? Oh putain il est à l'opposé. Ah c'est exact, en fait tu passais directement dans les épaves. Ouais. C'est ça? Mais ça tu le vois pas ça, si tu le sais pas. Ah il y a de l'orage dans l'air. Alors si on peut mourir de la foudre. Trouvez moi de la sangsue. J'ai des sangsues si tu veux. Yes, on va avoir de la tempête. Enfin il y en a dans le bateau en tout cas. Non je les ai déjà prises. Ah mais t'exagères aussi hein. Bah écoute, je fais mes tests. Merde, qu'est-ce que je voulais dire?
Si on peut mourir de l'orage, c'est bien aussi. Et du poisson aussi. Du requin, pardon. À mourir du requin, c'est assez simple, il y en a. Parce qu'en fait, si tu veux, il faut aussi éclairer, il faut éclairer le bateau de flammes bleues et blanches. Bon, il n'y a que des larves ici. Hein. Donc, tu n'auras pas de sangsue. J'en ai mangé une. De larves ou de sangsue? Des larves. Les copains, je reviens. Je vais. Il y a Constance qui m'appelle. Si tu veux. À de suite. Hein. À de suite. Je vais vider sinon et je vais me faire tuer par requin. Déjà, quand tu vas te faire tuer par un requin, tu vas pouvoir récupérer la flamme sur le bateau des pirates et ça va te faire une nouvelle tâche. La quête, elle consiste à récupérer une flamme. C'est la première tâche. La deuxième tâche, c'est d'allumer un flambeau sur une île. Et la dernière tâche, c'est d'illuminer le bateau de bleu et de blanc. Bon, bah, j'attends, hein. Je vais essayer de me rapprocher. Attends que les requins fassent leur job. Je vais aller en attendant, je vais me rapprocher d'un orage. Tiens, un là de requin déjà. Mais il y avait un orage là-bas, il est où? Ah, il est là-bas. Tiens, un requin là déjà ou pas? Bonne question. Est-ce que tu en as un au centre de l'île hein? Je vais nager vers le centre de l'île. Il y en avait un tout à l'heure. Alors le tapas, parce que je l'ai déjà mis deux coups moi. Non, il va mourir. Tu voudrais pas qu'il meure quand même? Non, je veux pas qu'il meure. Ce gentil requin. Bah, tant qu'il me kick trop bien, il y a pas se faire frapper. tant qu'il me mange, il fait pas de mal. Tant qu'il me mange, mais il me mange proprement, ça va. Mais s'il joue avec la nourriture, par contre, ça va pas aller. Pour une fois que t'as envie de te faire bouffer par un requin, ils prennent leur temps. Hein. Ouais, mais c'est ça à chaque fois. Hein. Quand tu veux pas te faire bouffer, ils te crient croc de suite. Mais quand tu veux te faire bouffer, ils te matent quoi. Juste ils tournent autour de toi, genre ils jouent avec toi. Ah putain, j'ai tellement envie de me refaire tatouer. Ah. Ça va me saouler. Ah, c'est bon, il y a deux requins même. Allez, c'est bon. En deux coups. Parfait. Bah récupère ta petite flamme bleue. Et viens allumer un petit peu le bateau. Ça marche. Et moi je vais chercher la blanche là. Bleu, c'est bon. Parfait. Merde. Ah, j'espère que mon RDV tatouage va pas de nouveau être décalé à cause du confinement. Ça va me saouler. Bah techniquement il pourra peut-être travailler pendant le confinement. On verra. Je pense pas que ça soit. Si c'est le cas, ce sera quand même ma troisième séance annulée quoi. Je pense pas que ça soit un confinement strict, ça. Je pense que ça va être un truc un petit peu comme au mois de novembre. Enfin, je pense, genre, je te dis ça, j'en sais rien. Mois de novembre, hein. Il a pas taffé, hein. Ah, mais il aurait pu. C'est pas vu pareil. Vu que ma dernière séance de tatouage a été annulée. Ah, mais alors là, c'est lui qui voulait pas taffer à ce moment-là. Non, 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 non. Il avait pas le droit. Tout le monde avait le droit de taffer, hein. Il y avait aucune restriction, hein. Ah, si. Ah, non. Ah, si. Ah, pas du tout. Ah, bah, au niveau des tatoueurs, si, ça, je peux t'assurer. Je pense que c'est parce qu'il avait pas envie de taffer. Les boutiques comme ça, ils étaient de nouveau fermés. Tous les tatoueurs alsaciens, en tout cas, ils l'étaient. Hein. J'en ai pas mal sur mes comptes Instagram et ils étaient tous en mode vénère. Bah, c'est chelou parce qu'il n'y a pas eu de décret interdisant certains commerces de fermer. Hein.
Bah, sachant que le confinement le deuxième confinement a été au cas par cas selon les départements. Ah, dans votre département, c'était au cas par cas? Bah, chez pas chez vous? Bah non, j'ai... Bah, chez vous, vous avez pas des départements qui étaient en mode chez vous, il y a plus de cas, les gars, donc c'est un peu moins. Putain, mais t'es aussi tombé? Ouais. Les vagues, tout ça. Toi-même, tu sais. Parce Non, que je non, sais chez que nous... ma dernière séance, c'était le 23 novembre et elle a été Ouais. annulée. D'accord. Alors, est-ce qu'il a pas juste décalé des rendez-vous parce qu'avant c'était fermé? Ou il était Et je sais fermé? que. Non, je sais. Non, c'était annulé. D'accord. Bah, c'est chelou. Parce que, normalement, enfin, en tout cas chez nous... Bah, surtout que c'est chaud pour lui parce qu'il peut pas se permettre, là, à l'heure actuelle, de refuser du travail. S'il Ouais. refuse du travail, il ferme boutique. Le premier confinement lui a fait tellement mal au cul qu'il peut pas se permettre. Non, parce que mis à part les boîtes de nuit Ah. et ce genre de choses, il y a... Y a une épave sur la gauche, tu veux qu'on Ouais, tente? je la vois, mais je sais pas. Comme tu veux. A priori, Vas-y, chaud. elle aura rien de spécial, cette épave. Ah putain, je suis tombé. Tire l'ancre, tire l'ancre. D'abord. J'ai sauté, mon personnage il s'est complètement décalé. Alors, il y a un petit crâne. Bon, si tu veux reprendre de l'air, la cabine du capitaine elle est pas complètement enfouie. Ok. Et d'ailleurs, Bon, le ça fond de la va. première cale non plus. Ah purée, le déplacement dans les épaves, c'est une horreur. Ouais. En plus, à la manette, c'est hyper lent. Ah, un petit rubis. Ouais, je te remonte à l'étage supérieur ce que je trouve au fond. Ah, faut voir si t'as... tu regardes les coffres aussi. Pas encore, je vais le faire. Enfin, les coffres, Ouais, les tonneaux. Si on trouve pas du poisson rare. Je suis complètement paumé là, je sais plus dans quel sens je suis, putain. Pas grand chose, hein. Je dirais même, il n'y a rien du tout, en fait. Bon, un petit rubis, ça fait toujours du Oui, bien quand voilà, même. mis à part les rubis, mais c'est déjà cool, mais... Bah, disons que selon comment on investit le rubis, ça peut faire des choses pas trop dégueulasses. Oui, voilà, c'est ça. Elle est où le bateau? Ah, il est là. À la tête, là. Il y a Loïc qui tourne dans le bateau de droite à gauche. Ou de gauche à Ouais, je droite. pense Ça... que c'est pour pas se faire déconnecter. Ou de gauche à droite, je sais pas. Dans quel sens il... Il a pas encore fait son choix de parti politique. Non. Ah putain, il y a le deuxième.
Alors ça, tu l'as vidé. T'avais pas trouvé de poisson dans les tonneaux? Il y a rien dans les tonneaux. C'est la Hesse, mon frère. Je trouvais une petite quête. Ah, j'ai trouvé un cochon grillé. Ah, j'ai trouvé de la sangsue aussi. Par contre, je suis en train de perdre la vie à cause de ces conneries. Parfait, on se casse. Il reste des trucs ou pas? Récupérer ce qui flottait? Bah, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce qu'il reste des trucs qui flottent autour de toi là? Non? Ok. Bon. Il n'y a plus qu'à. T'as récupéré quoi? Un coffre, une ruche et un rubis et un crâne? Ouais. J'ai rapproché mais j'ai pas remonté. Je vais attraper au grappin quand je me rapprocherai du bateau. Je prends un truc qui a le plus de fortune. Pour être si sûr. Si seulement Loïc pouvait nous entendre et décaler, tourner un petit peu le bateau vers la gauche. Je crois qu'il nous a bien mute. Ah non, quand j'ai dit ça, je l'ai vu bouger, je me suis dit peut-être que, mais non en fait. Non, juste il tire dessus, ok d'accord, merci gros. C'est utile, ouais. Merci. Tu vais croquer. Ah non, il nous a tiré dessus pour me sauver le cul. Ah, bon, est-ce qu'on peut se plaindre alors? Je sais pas. L'intention était louable. L'intention est louable. Ah, oui, il est mort. Ah, ça c'est con ça. C'est bien beau de tirer sur les requins, mais ça sert à rien d'aller dans l'eau. Hein. Je vais récupérer la ruche. Bah, je vais les prendre au harpon. Elle est où? Ah bah c'est parfait, l'orage il a l'air de venir vers nous. Bah on va filer vers l'orage. Est-ce que j'ai assez tourné? Je ne crois pas. Ah si. Merci. Il y avait d'autres trucs dans l'eau, non? Non, c'est bon, on a tourné. D'accord. Bah cool. Le crâne y est, le coffre y est, le rubis y est et la ruche y est. Let's go. Allez, go vers l'orage qui commence à venir vers nous, et ça c'est bon ça. Je vais préparer ma canne à pêche. Je vais me donner corps et âme. De la vie aussi. Je vais me donner corps et âme aux éclairs, moi. Je te viens du plaisir. Je suis prêt à mourir, orage, prends-moi. Est-ce que ça c'est déjà considéré comme l'orage ou pas? Apparemment il faut qu'on entende des cloches. Il m'a dit Loïc. Donc je crois pas. Il y a un moment où les cloches du bateau sonnent. Et apparemment c'est à ce moment-là que c'est considéré comme dans l'orage. Parce que moi j'ai un total contrôle du navire. Ah ça y est, ça commence à être moins contrôlable, il tourne tout seul. Ça y est, la cloche. Allez, c'est l'orage. Bienvenue dans l'orage, mes amis. Bonsoir. Hey. Oh, oh les gars, faites pas les cons. Mais on peut pas faire les cons là, on est. Ça dépend pas de nous là en fait. Ah, bon, a priori maintenant ça va dépendre de nous. Ouais, il a une légendaire tempête donc évitons de. Ouais, bah espérons que tu te fasses pas taper par la foudre. Ça c'est un autre. Bah au pire, tu me passes la canne avant de mourir.
Ouais, j'ai pris, je me suis mis full vie exprès pour. Mais moi je vais me faire taper par la foudre, moi. Ouais, moi aussi. Attends, bon, Alex, c'est comme ça. Alex. Ouais, est-ce que tu peux checker, voir. Je crois que le bateau il s'est cassé. Ah, ouais, j'y vais. Oui. Exact. Mais du coup, j'ai loupé des trucs là pendant que j'étais au téléphone ou pas? Ouais, non, on a fait une petite épave. On a tué le Shootout Break aussi. Shootout Ghost. J'ai pas vu faire ça. Mais... Ouais, mais c'est parce que tu regardais pas. Ouais, c'est ça. Putain, du coup, je sais toujours pas ce que je mange, moi. Just Eat, je t'ai dit. Ouais, mais Just Eat, je me commande quoi sur Just Eat? Ah ben, regarde déjà ce qu'il y a d'ouvert. C'est pas un joli tri. Je sais même pas si j'ai un compte sur cette merde. Et ben alors, les autres, je sais pas comment ils s'appellent, les autres, là. Deliveroo, Uber Eats. Voilà, tout ça. Ouais, c'est nul, ces trucs, non? Ah ben, mange ta main. Tu t'imagines que j'ai McDo, KFC... Burger King, tout est à pied, tout est à 10 mètres de chez moi, je suis sûr que les livraisons elles sont trop proches. Mais Justin, tu peux commander, normalement. Ou Deliveroo, tout comme ça. Ouais, mais le mec il va faire 10 mètres en scooter, il va m'insulter. Mais alors, tu n'as pas le droit de sortir, il va t'insulter de quoi? Ouais, je sais pas, ça m'inspire pas. Ah, ah, la chance, regardez, ils ont pris feu, ils se sont fait taper par la foudre. Oh, ils ont trop de la chance. Range-le ton poisson, range-le vite ton poisson. Et là-bas, il y a un sloop, ils se sont fait taper par la foudre, les chanceux. Du coup, on est allé vers quoi comme direction là? L'orage. Alors, oui. Alors du coup, est-ce que tu peux me dire ce que ça vaut un tempête de mer sauvage trompée? Alors, tempête. Tempête. Tempête, tempête, tempère. De mal. De mer sauvage trophée. Cuit. Ouais. 1690. C'est pour du goût. Bah, maintenant tu me trouves le même en nombre. Ouais, mais non, parce que j'ai plus de. C'est, jette-toi sur l'île à droite. Essaye de voir si tu peux en récupérer. Qu'est-ce qu'il fait le petit sloop là? Il cherche la fight? Non, je crois qu'il cherche l'orage aussi. Ou il pêche. Il y a pas de tonneau. Il vole. Mais qu'est-ce que c'est ce délire? Ah, c'est parce que nous on voit pas les vagues. C'est parce qu'on voit pas les vagues nous. Lui il doit avoir des grosses vagues. Mais... Oh mec, c'est énorme. Mais qu'est-ce que c'est? Le mec s'envole. Ah, c'est des fous. Essaye de rester dans l'orage. Ah, mais là, il croit qu'on cherche le fight. On s'en fout de ce qu'il croit. Moi, je fais un éclair. Il fait demi-tour, s'il commence à attaquer, pensez à me plier au moins une voile. Je crois qu'il fait comme nous en fait. Tu penses? Ouais, t'as chargé au cas où. Mais depuis tout à l'heure, il est dans l'orage aussi. Ouais, mais attends, mais son bateau il vole, mais what the fuck. Ouais, mais le nôtre aussi, enfin lui il doit le voir pareil aussi, je pense. C'était complètement pété, c'était énorme. Essaye de pas trop le suivre, histoire qu'il se sorte pas menacé non plus. Ouais, mais j'essaye de rester dans la tempête, hein. Ouais, non, la tempête, elle fait un joli cercle, en fait. Ah, ça y est, ça a pété. Je crois que c'est encore tombé sur eux. Ah, mais ils ont trop de chance. Ils ont plein d'éclairs. Ah, le bateau, il s'est cassé. Y'a quelqu'un en réparation? Oui, j'y suis. No stress. I'm here. Pourquoi on n'a pas d'éclairs sur nous? Moi je veux les éclairs. I'm here. Ah, c'est nul, il n'y a pas d'éclairs.
Mais ça, je suis sûr que c'est parce que j'attends l'éclair. Attends, je vais faire genre à l'éclair, je l'attends pas. La Switch Lite, la console tellement la moins appréciée en ce moment sur le marché. Oh merde. Kraken. Non. En tempête. C'est une putain de blague. C'est une putain de blague qu'on se frappe un Kraken en tempête. Qui a dit que c'est pas possible? On est deux à l'avoir. Je crois que l'autre aussi il est avec nous. Il va nous aider sûrement. Ah, il va nous aider. Putain, mais je sais même pas si on a découlé. J'ai sauvé tous les poissons. Tapez-le. Ah, il m'emporte. Je suis dans le Kraken. Mais qu'est-ce que tu fais une fois que t'es dans le Kraken? Tu peux rien faire, non? Je peux rien faire, je vois l'autre bateau, il nous regarde, ils font rien. Ah si, je peux le taper de l'intérieur. Moi, je peux pas le taper. Ah, je suis aussi emporté. Si au bout d'un moment il va commencer à... Tu vas pouvoir le taper. Et après il faut vite que tu remontes à la surface. Oh putain, j'ai l'écran qui est inversé. Merde, le bateau est tout seul. Il est pas en train de couler au moins le bateau? Je sais pas, je suis avec lui là. Je pense que si. Essayez de sauver ce que vous pouvez. T'es là, le Kraken, lâche mon bateau. Il m'a craché. Mais à l'autre bout de la map. Non, mon bateau. Bien sûr, j'ai pas dit. Ah, le sloop il s'est arrêté. Le sloop il s'est arrêté à la lisière du Kraken. Et il nous regarde. Alors, c'est gentil ça. Alors, je tiens juste à dire que hier, je faisais la blague et qu'on me disait mais non, ça n'arrive pas dans ces moments-là. Et il est où notre bateau? Sous l'eau. Ah, on a coulé? Ouais. Mais le truc c'est qu'il y avait cette personne que j'avais raison. Le truc c'est qu'il y avait une tentacule de Kraken qui était accrochée à notre bateau, il faut le taper en fait pour qu'il le lâche, mais comme on a tous été éjectés. Mais on a tous fait ça hein. Ouais, mais c'est ça, mais on a tous été éjectés donc du coup on pouvait pas le taper. Et du coup bah lui bah il a serré, ça cassait de plus en plus le bateau. Et non, voilà. Non luck quoi, sérieux. Bon, on avait rien hein, de toute façon. Non, on avait rien. Il y a juste à peu près 10 000 trucs qui flottent, mais sinon on avait rien. Bah on avait rien. Bon, on avait deux crânes, on avait un rubis, on avait un coffre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait où on était? Près de K9. Bah je vais y revenir. Non, parce qu'il y a le petit sloop là, je pense qu'il y a tous les coups, tu vois, qu'il va ramener sa fraise, t'en feras rien. Ouais, mais sauf qu'il faut qu'il aille déjà au milieu du Kraken pour récupérer. Oui, le Kraken il va pas partir tout seul. Il y a toujours l'orage? Oui. Ok, donc c'est bon, je vois l'orage, il est pas très loin. S'il y a un 6 postes. Aide-moi à remonter l'ancre, Benoît. Ça on va plus vite. Moi je voulais chercher un 6 postes. Hop. Allez, direction le Kraken. Il y en a juste à côté de 6 postes, je peux te jeter. Mais il est vraiment à côté là. Ah oui, North Star 6 postes, ben let's go, hein. Tu montes et let's go. C'est sur la direction, je te jette. Et comme ça, moi je continue. Ah ouais, bah. Il est juste là, hein. On est à côté là. Ouais. Ah, il me faut du bois du coup. Pour refaire. Il faut beaucoup de bois. Bah, parce qu'il va falloir que je cuise des poissons. Ah, mais je sais pas si je peux le cuire sur le 6 postes. Ah bah attends. On va s'arrêter, vas-y, fais le cuir. Y'a rien non, pour faire non, cuire non, sur... Mais après vous allez tracer récupérer les trucs. Non mais y'a rien pour faire cuire sur le 6 postes. Bah je vais voir. Bah non, y'a jamais rien pour faire cuire sur les 6 postes. Mais si, t'as souvent des petits trucs, des petites marmites. Bah c'est pas pour faire cuire, c'est juste de la déco. Bah t'as pas un truc exprès où tu peux... Non. C'est pour ça, viens sur le bateau, fais le cuir. Ou alors tu le vends en nature. Bon, on va le vendre nature, tant pis. Ok, je me casse. Mmh.
Oui, j'ai plein de pièces. Ah oui, il valait 1688. Quand même. De quoi ? Il avait une bonne valeur, même cru. Ah, oui. Et oui, oui, oui. Allez, réputation 23. Moi je sais pas. Il y a toujours l'orage chez toi, Bouki? Je suis mort, je t'ai dit, mangé par un requin. Ah. Ah, data Bouki. Ah, mais je vois le sloop. Ah non, c'est pas un sloop, c'est un rocher. Ça aurait pu être un sloop. De loin, dans la nuit. Covid-19, le dépistage rectal de plus en plus fréquent en Chine. Ouais, t'as vu ça? C'est rigolo, hein. Alors que nous, on essaye de se mettre au test salivaire. Eux, ils le font dans le cul. Après, si c'est plus efficace. Ah, c'est chez qui y a des Peugeot 206 qui montent sur les rebords de sécurité. Ah, je les ai vus. Je crois qu'on a vu on voit les mêmes mouches. J'ai vu ça ce matin aussi. Ouais, mais ça m'intéresse, c'est l'autoroute qui m'intéresse, je veux savoir si c'est chez qui qu'il y a le bordel. Ah, ils disent pas. Oh, il a mal vieilli, Elise et Moon, hein. Ah, toi aussi. Ah non, moi c'est Tex. Ah, Tex, je l'ai. Tex a tout perdu après son procès perdu contre contre France Télévisions. Ah ouais, il a perdu. Ah oh, ouais. Ah. Le pauvre. McFly et Carlito se lancent sur Twitch après la soirée déjantée chez Gotaga. Oh, carrément. On va se farcir Marcel et Carlito sur Twitch maintenant. Partout, cru la montée des eaux dans le Bas-Rhin, mais oui, mais c'était normal, ça devait arriver. Bah, c'était, il pleut, prévu. Ça s'est ouais. Réchauffé. Il a neigé dans les Vosges pendant je sais pas combien de temps, donc du coup, bah, ça fond, et du coup, tous ouais. Les cours d'eau sont remplis. Ouais, ouais, ouais. Oh, coup, Bichette. C'est la Bichette. Eh oh. Qui fait péter des trucs? C'est moi, je me suis fait du mal. Allez, le ciel, décharge-toi sur moi. Oh oh. On va faire la compétition, hein, qui va se faire trucider un prime, ça. Ah déjà celui-là qui s'est jeté au plein milieu de l'eau. T'es dans l'eau? Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans l'eau? J'ai glissé, chef. Encore. Oh, de suite. Oh merde, y'a des rochers là. Oh merde. Y'avait pas une histoire comme quoi il fallait sortir son épée pour être frappé par la foudre? Je pense pas que ça soit réel, ça. Parce que moi je me fais souvent frapper par la foudre quand je pêche ou quand Oui mais toi c'est parce que t'as du plomb dans les ou choux. quand je navigue, tu vois. je sais pas. Et le bateau est en train de casser. Est-ce que quelqu'un peut réparer? Non, y'a personne. Je suis tout seul sur le bateau, ouais, en fait, c'est ça? Ouais, moi j'arrive. Moi aussi, j'arrive. En cas de vacances scolaires prolongées, vers un retour du chômage partiel pour les parents? Pour l'interrogation. La seule motivation d'avoir des gosses, c'est ça. Pas trop s'ils en sont contents. Bon, tu sais, après tu les fous devant les jeux vidéo, hein, et c'est bon. Non, parce qu'il faut qu'ils fassent l'école à la maison, donc je t'assure que j'ai. Non, mais c'est pendant les vacances scolaires, y a pas d'école à la maison pendant les vacances scolaires. Si, non, mais moi, oui, non, mais il faut les occuper, quoi. Ah ben, bah, les jeux vidéo. Une petite Switch. Console, matin, midi et soir. Et tant qu'ils ont pas fini le jeu, ils ont pas le droit de se coucher. On va pas être bien crevé à la fin.
Je vais pas réussir à passer entre les deux rochers, mais j'ai pas le choix, il faut le faire. Ah, j'ai trouvé la fuite. Oh, man. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. À gauche, à droite, c'est serré, à droite, c'est serré. Oh putain, oh là là, c'est pas passé. On a touché au cul. Je retiendrai que Dekai n'est pas un pro gamer dans tout ce qui est conduite. Hein. Non, mais c'est parce qu'il y a la tempête. C'est la tempête qui a tourné le bateau. Ouais, ouais, ouais. C'est une excuse de mauvais conducteur, ça. C'est comme ceux qui vont dans le ravin et qui ouais. disent ouais, mais il y avait de la neige et le verglas. Ouh. Ouais, mais il y avait un joli paysage. J'ai voulu prendre en photo, mais je me suis pas arrêté. Alors bon. Ça, ces gens-là. Ah, ça a tapé pas loin, là. Ah, mais tu cherches les éclairs, c'est ça, depuis tout à l'heure? Bah oui. Tu cherches la merde. Ah, d'ailleurs, il faut retourner chercher des... Ah, peut-être que t'as toujours la flamme bleue, toi, Benoît. Et non, t'es mort entre-temps. Non, moi aussi, je suis mort en plus. Vous avez plus la flamme bleue, hein? Non, on a plus la flamme bleue. Non. Ok. Donc bon, on va essayer de choper la blanche et après il faudra réussir à récupérer la bleue, c'est plus simple. Oh mais c'est hallucinant quoi, on se fait jamais taper par la foudre ou quoi dans ce jeu. Bah écoute, là ce soir c'est vrai que c'est un peu... Ah, tu crois que c'est le moment de boire, toi? Ah, peut-être que tu te sentiras moins le mal de mer, du coup. Ah, c'est chiant. Ah, ça a tapé sur le bateau, mais pas sur nous. J'y vais, je vois. Si quelqu'un peut venir juste mettre un coup de seau d'eau, on est à la moitié du bateau là. Benoît. Oui. Petit seau d'eau. Bah j'ai pas ça dans les mains pour le moment. Ah, ok. Non, non, mais il faut pour vider l'eau en fait. C'est mal exprimé. Ah, mais c'est bon, on est ok. Wow, les sacrées vagues. Ah, c'est okay, encore... Ok, attention. Ça a encore tapé à côté, mais juste à côté. Mais ça m'énerve. Tape nous. Je vais sortir. Qu'est-ce que tiens, l'orage? Tu oses pas ou quoi? On est trop impressionnant pour toi. Je pense que c'est ça, l'orage est impressionné par notre grandeur et notre valeur. C'est possible. Mais du coup, vous pêchez pas là, en plein orage? Non, moi je reste en bas parce que hop, tu vois, regarde, c'est encore pété. J'ai compris que là, ça a pété pas mal quoi. Bon. Ah, il y a le sloop. Mais non. Si. Il cherche les problèmes, le petit gars, je crois. Mais je crois qu'il cherche comme nous, là. Ils veulent se faire toucher par la foudre. Là, je pense, hein, qu'est-ce qu'il ferait encore dans l'orage? Ou alors il pêche, hein, je sais pas.
Purée, d'habitude on se fait tous shooter par les éclairs à chaque fois là. Comme tu dis. Ah, je viens d'en voir un, il était juste devant le bateau encore. Oh là là. Je comprends pas, moi. Ah, oh, Benoît, il s'est fait taper. Ah. Il est pas mort. Il peut avoir trop de vie. Mais il nous écoute pas d'ailleurs. Tu es là, Benoît? Ah ouais, je suis là. Tu t'es fait taper une première fois par la foudre. Je sais, je vois ça, je bouge plus. Et justement, ça va pas retaper deux fois au même endroit. Je sais pas si c'est pris en compte, hein, le... Ah, ça a tapé juste à côté du bateau encore. Oh là là. Allez, c'est le moment là. Tapez Benoît, on n'en parle plus. Oh putain, c'est à moi de me flinguer à chaque fois quoi. Bah tu t'es fait taper une fois, ça a le plus de chances que nous de te faire taper encore une fois. Hein. A priori la foudre t'aime. Hein. Bah parce que j'ai sorti le couteau. On se prend des dégâts de ouf, j'ai bientôt plus de bois. Mais non. Y'a pas de bois dans le bateau? Bah il faut que j'aille voir. Là-bas y'a des éclairs. Suce à l'éclair. Allez, qu'on n'en parle plus là, ça fait combien de temps qu'on cherche un éclair là? C'est pas que ça me fait chier, mais ça me fait chier. Ah, ça y est, Benoît il est mort. Besoin d'aide, j'ai pas vu qu'on devait avoir un trou là, je sais pas ce que j'ai foutu. La cale est pleine. L'homme le plus heureux du monde, yes, Benoît il est mort. NTM. Ah, Bouki, t'as pas géré là le bateau, hein? Bah, je t'ai dit j'avais plus de bois et du coup je cherchais le trou sauf que je l'avais pas vu. Je sais pas, ça, je devais avoir un bug graphique et du coup je devais pas le voir. Voilà, il est... Bon, n'oublie pas la flamme, hein, Benoît. J'ai le truc, j'ai la chose. Ok, bon, je vais sortir de l'orage maintenant. Si j'y arrive, si du coup. Bon, mais nous ça va pas compter pour nous. Non, mais le truc c'est d'éclairer le bateau en bleu et en blanc, donc c'est pour l'équipage. Ah, mais on a les deux flammes là? Bah on en a plus qu'une maintenant. Ressusciter parce que... Qui a la bleue? Plus personne n'a la bleue. On a perdu la bleue. Ah oui voilà. On s'est fait prendre par le Kraken, rappelle-toi. Ah oui voilà, c'est ce que je veux dire, plus personne n'a la bleue. On s'est fait prendre... Oui et non. Bah il nous a pris quoi, il nous a pris tous les trois même. Allez, on est bientôt sorti. Oula. Alors attendez, parce que là on va bientôt se prendre une île en fait. Allez, tourne le bateau, tourne. Allez. Alors on va aller de l'autre côté si tu veux pas aller de ce côté. Tourne le bateau, s'il t'en supplie. Oui. Ça tourne. Oui, il a tourné. Bon, on va faire une pause à plein d'heure. Non. Pas de pause pour les vrais gars. On suicide avec les requins et on a la deuxième. J'aimerais qu'on sorte de l'orage en fait. Alors pour sortir de l'orage là. On va s'arrêter au fort là-bas. Ouais, ce que j'allais dire, part plutôt tout droit. Parce que même le fort il est dans la tempête encore. Mais non. Part tout droit là. Si, il est dans la... il a la limite mais. Ouais, mais s'il est à la limite. Si genre il est à la limite, genre il vient de sortir de la tempête, c'est nickel. Je sais pas dans quel sens il souffle. C'est bon, là on est en train de sortir, donc c'est bon. Ouais. Tout ça, c'est que tu vas plus vite que la tempête, mais qu'elle est encore derrière.
Ouais, je sais pas si je vais plus vite que la tempête, hein. Eh oh! On est des très bons moussaillons, hein. Ouais, mais c'est pas un navire de compétition que j'ai acheté, hein. Un petit rafio, hein. Ouais, un petit rafio, ça suffit, hein, tant que c'est trois bouts de poing qui flottent. T'inquiète, mon ami, on va s'en occuper. T'as éclairé le bateau en blanc, du coup? Oui, du en coup, dessous. Du coup, okay. Vous allez manger à quelle heure, là, vous? Je sais pas, moi j'ai pas d'heure. Oh, je pouf. Je sais pas, moi de toute façon, j'ai juste à me lever et à me servir. Bon, bah alors, moi, si vous tous vos repas sont prêts pendant que là, je sais pas où on va. On n'a pas un bateau. Je vais commencer à m'envoyer des trucs parce que. Tu vas t'envoyer quoi? De la coke? Comme il faut que je finisse les trucs qui étaient dans le congél, je vais envoyer un steak. Là, si tu veux, si vous voulez aller chercher des broquins aussi, hein, vous pouvez sauter dans l'eau. C'est ce que je suis en train de faire. Si tu ne me vois plus sur le bateau, c'est parce ah, que ben, je suis en train de me chercher le requin. Honnêtement, je te cherchais pas. Honnêtement, j'avais compris, hein. Non, mais je te jure. Je savais que j'étais mal aimé, mais quand même. Par contre, tes requins, ils veulent pas trop venir, c'est mon avis. Ah, mais du coup, je me retrouve tout seul sur le bateau, en fait. Ok. Ça va taper. Et voilà. Ah, j'arrive. Ah, il faut pas couler. Ah, mais j'avais pas compris que j'étais plus que moi en fait sur le bateau. Ah. Donc, ça va encore. Pour le lever de voile, ça a été compliqué. Ah, c'est vrai que sur un brigantin. Écoutez, ici il y a des kraken en pleine tempête, peut y avoir des requins en pleine tempête. Ah, bah oui. Bah, tout à l'heure, Loïc, il est mort par un requin en pleine tempête avec le kraken. Oui. J'ai un peu fait de tout, moi, j'avoue. Ah, il a fait combo. Mais comme quoi, mec, on est d'accord que tu portes ton épée, tu te fais frapper. Toi, t'as pas bougé de ta barre, t'as jamais été touché. Moi, j'ai sorti mon épée, je me suis pris les deux éclairs. Oui, après, c'est vraiment aléatoire parce que des fois, on est à la barre et on se fait toucher aussi. Hein. Loïc peut en témoigner. Oh oui. Mais c'est plus. Oui, mais. Enfin, c'est aléatoire, oui et non. Là, pour le coup, je suis moyennement d'accord. Moi, oui, je suis moyennement d'accord. Ah, j'ai trouvé le requin. Cool. Bah, vas-y. Ah, il a pas voulu me manger, je lui ai frappé dans le museau. Il va me croquer. Midlife. Voilà, on va s'envoyer quatre pattes. Ça va être allez, suffire, quatre. C'est bon, je suis mort par le requin. Arrive. Quoi? Ça va être le requin quatre. M'a croqué. Ouais. C'est pas beaucoup. Mais c'est hein. Des grosses. Ah. Ouais, mais elles sont énormes. C'est quatre grosses pattes. Ah oui, bah ouais, oui, ça suffit. Ah oui, bah tu en as largement assez. Qui vit dans un ananas dans la mer? Je sais pas. Qui c'est? On sait pas. C'est un homme bizarre, je dirais. Ah, cool, y a de la dynamite, je vais faire péter un requin. Ne les prenez pas tous, laissez-moi un. Oh non, mais moi je voulais tout faire péter en fait. Non, laisse-moi un. Fou. Bah, t'as éclairé en bleu du coup le bateau? Ouais, j'ai mis bleu et blanc du coup. Et du coup, ça a dû marcher, non? Faut tout faire? Ouais. Toutes les lampes? Je mets toutes les lampes en bleu et blanc, ouais. Est-ce qu'on est sûr de ça? Bah.
Ouais. Ça y est. Ah non. Ah, Moi j'ai rien vu. j'ai gagné, je suis passé niveau 15 moi. Ah, progression saisonnière indisponible. Hein? Qu'est-ce que ça dit? Progression saisonnière indisponible. Ah merde, putain, chien. Ouais, mais ça dure que quelques secondes, c'est le temps ouais, que ouais. Ça se mette à jour. Et... Par contre, moi non plus, je n'ai rien eu alors que c'est moi qui ai fait tout le taf. Hein. Ah, t'as rien eu toi aussi? Non, mais au moins ça me rassure parce que. Je me sens un peu lésé, voyez-vous. Bon, faut qu'on refasse le stock de bois aussi. Ouais, il y a des trucs, il y a des tonneaux. Pas loin là. Les gens ils doivent penser qu'on fait un fort alors que pas du tout. C'est bon, ça a marché. Putain, enfoiré. Mais regardez dans vos quêtes. Mais vous, c'est parce que vous avez pas peut-être les trois. Moi, j'ai les trois trucs. Ma progression, c'est disponible, indisponible. Ah ouais. Moi, j'ai les moi j'ai fait la quête entière. Donc c'est pour ça. Bah, peut-être que nous aussi, hein. Bah, t'es allumé un allez allumer un flambeau avec ta lampe blanche ou bleue. Ah non, non, non. Ah bah alors, donc tu l'as pas. Après, on nous le dit pas, nous aussi. On vous le dit pas, on vous le dit pas, on est en train de le faire là, donc y a pas d'on vous le dit pas. Moi ma prochaine étape c'était on va vous amener sur une île pour que vous allumiez un flambeau. Enfin Loïc il l'a lui. Mais toi on j'ai va t'amener sur une île. Yes. Mais moi j'ai pas de requin. Est-ce que t'as un tonneau déjà? Ben oui j'ai un tonneau, j'ai pas de requin. Souris, fil 2, vous avez tué un requin avec un baril de poudre. Chais. Pourquoi tu dis chais? Ben je t'amène pas sur l'île voilà. Mais chais. Non, je parle au requin. Ah, quoi bon, ça va alors, je te mets sur l'île. Oh, le mec, il a sorti les rames, oh. T'as vu ça comme il t'a. Non, mais direct, tu vois, le. Ouais, le mec, mais il me chie, moi. On devrait l'appeler Joe la menace, quoi. On chie pas les copains. Tu lui plais pas, c'est chier. Mais direct, c'est pas ça, mais c'est toi qui as chié d'abord. Ah ouais, mais d'à côté, t'es en mode. Ah ouais, t'as chié. Bah écoute. Bah ouais, fini. On chie pas les copains. Nintendo Switch, bah tu l'auras plus pour Noël. Chie. Tu voulais tes croquettes ce soir, bah t'en auras pas. Chais. T'avais qu'à pas violer. Le pauvre. Bon, dans la chaloupe, il y a 18 de bois là, je vais essayer de les ramener. J'arrive. Je suis dispo maintenant. Dans la chaloupe. Ah, j'ai renommé qui augmente. Yes. Donc bah, maintenant, il va falloir qu'on allume des trucs. Ouais, va falloir qu'on aille allumer avec une couleur. Je sais même pas si t'as besoin d'une couleur en fait. Je sais plus s'il demande spécifiquement la couleur ou pas. Non, ben non, même si t'as de la flamme de base, ça marche. Ta, vous avez bien farmé en fait, parce que moi j'ai pas autant. Hein. Ah, c'est la seule que j'ai fait avec Loïc tout à l'heure. Hein. Oui. Alors moi j'avais déjà la flamme et il a popé sur mon bateau. Non mais je veux dire de manière générale sur tout ce qu'il y a de... Ah non on n'a pas tant fait que ça. Bah tu sais il y a des trucs qu'on avait fait hier déjà. Hein. Ouais après c'est vrai que j'ai pas trop regardé la totalité du truc mais bon quand même. Ah ça y est. Alors, ah on a fait une épreuve d'aventure aussi. Et c'est quoi qu'on a fait hein? Yeah, j'ai tué un requin avec un baril de poudre. Naviguer. Allez. À naviguer. C'est le succès. Acheter le voyage d'une société. Attendez, j'ai un appel. Je vous reprends dans 5 minutes. Vas-y. Hop. Contrôler n'importe quelle fable du flibustier. La première s'intitule... Pendant la fable, découvrez le journal de bord du McPewing. Terminez un voyage avec chaque société. Votez pour un voyage sur la table du capitaine. Naviguez sur plusieurs kilomètres dans la mer au cours d'un voyage. Faites la course avec le navire d'un autre équipage, ne tirez pas. Ah, peut-être que c'était ça qu'il voulait faire tout à l'heure, le petit sloop.
Livrer des objets d'expédition. Ouais, bon, il y a encore des petits trucs à faire, quoi. Ah bah, t'as eu tout ce qu'il y a à faire, même. Trouver... Attraper une raie manta dans le Devil Roar. Ouais. Jamais attrapé de raie manta, je crois. Je sais pas non plus. Peut-être que livrer des pavillons d'émissaires brisés des eaux de la faucheuse en tant qu'émissaire de la faucheuse. Ou alors ça. Livrer un coffre recherché de la mort. Ma foué. On voit qu'il y a grosse négociation sur le stream. Le stream de qui ? C'est au moment où Dekai qui se met en pause qu'on a du viewer. On a 4 personnes. Et c'est là où il coupe le micro, il n'y a plus d'activité. Comme quoi les gens, ils veulent pas l'entendre en fait. Oh, de suite. Bah écoute, c'est les chiffres qui parlent, hein, c'est pas moi. Hein. Ouais, oui. Comme tu dis. Comme tu dis. Je l'ai dit, ma fouée. Je vais essayer de faire une réaction en chaîne. Je cherche tous les trucs explosifs. Bah vas-y. Hein. Ça fait longtemps que je me suis pas fighté dans un fort. Ah ouais. Naviguer sur plusieurs kilomètres dans la mer au cours d'un voyage. Ouais, ben ça, on l'a fait déjà. Bon, on a fait 40. Moi, j'en ai fait 46 sur 50. Ah ouais, quand même. Ah non, j'en ai fait 14 sur truc. Et voyager de manière générale, j'en ai fait 46 sur 50. Putain, y en a un, ça va être compliqué. Asseyez-vous sur le trône de Spiringbrae avec un pirate de notre équipage. Bah, si on arrive une fois à faire une ultico, ce sera simple. Détruisez les trois types de statues de la sirène. Oui, bon, ça va. Livrez le joyeux de sirène à l'Alliance, aux collectionneurs et à l'ombre des âmes. Bon, ça. Facile. Asseyez-vous sur tous les grands trônes squelettes. 2 sur 5. Et il faut le refaire avec d'autres pirates aussi après. Ouvrez des caches au trésor. Bon, ben, y a des trucs. On verra. Hein. Et les trucs, j'ai l'impression que ça s'annonce complicado. Ouais, ouais. Bah, faut avoir la chance de tomber sur un serveur où des gens sont motivés, ont déjà un vocal et sont motivés pour faire la même chose que nous. Oui, comme tu dis. Ouais. Ce qui, ma foi, m'a l'air quand même un peu complexe, effectivement. Bah, sauf si après les gens veulent. Sauf si après les gens veulent la jouer un peu quand même en mode il faut faire ces putains de quêtes quoi. Bah, y a pas de réelle obligation de les faire donc c'est plus des gens qui s'amusent à faire ce genre de choses comme nous qui les faisons.
L'obligation n'y est pas. C'est un jeu qui reste libre. Ah oui, bah heureusement. Dans son mode de jeu. Comme tu dis. Moi, je pense qu'après à 21h, je vous abandonnerai. Évitez de trop tourner la tête, s'il vous plaît, ça complique les choses. Il y a une balance dans le coin. C'est qui? C'est sur le live, c'est Raven. C'est qui Raven? Bah, c'est un viewer. Oui, mais pourquoi tu dis que c'est une balance? Parce qu'on se moquait de lui il y a 2-3 minutes. Ah. D'accord. 28, 25, 33. Bon, j'ai trouvé 6 tonneaux explosifs. Ouais. Je pense qu'il y aura une belle réaction en chaîne. Je vais tout faire péter. Vas-y. Il faut juste que. Alors, si je tire là, ça touche 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 là. Enfin, si j'en trouve pas un dernier. Et parce que tu l'avais pas, ça, toi? Quoi? La réaction en chaîne? Les réactions en chaîne, je crois pas que ça soit au niveau des tonneaux explosifs, je crois que c'est au niveau des squelettes tués. Ah. Là, c'est juste pour m'amuser que je fais ça. Ah bah vas-y, hein. De toute façon on est en stand-by là, parce que je sais pas ce que vous vouliez faire. Enfin, sur quelle tâche vous vouliez partir. Alors, en fait, il faut qu'on aille sur une île où il faut qu'on allume un flambeau. Ah, ouais. Alors attends. Je ne suis point une balance, mais un fidèle patriote, monsieur Decaï. Ouais. Allô, ouais, vous m'entendez? Ouais. Ouais. Salut Raven, comment ça va? Bien le bonsoir, merci de me parler trop fort, je suis malade. Ah bah, force à toi alors si tu es malade. J'espère que ça va aller mieux. Écoute pas trop ce qu'il va te dire. L'écoute la bière, elle est dans mes coffres, j'essaie de vous lire. Ah, d'accord, tu voulais me lire ce qui... tu as essayé de lire sur mes lèvres. Écoute, Dekay, avant de partir, j'ai fait un petit chemin alors, explosif. C'était pas forcément une bonne nouvelle, donc c'est... Voilà. Tu me disais quoi, Benoît? Ah, tu veux tout faire disais, péter? Je t'ai créé un petit chemin explosif, si tu veux tout t'amuser à faire péter. On va voir ce que ça donne. Attends que je dégage. Tu me dis quand tu veux que je tire. Vas-y, on va voir si ça fonctionne. Oh. C'était cool. C'est ouais, j'en ai trouvé 7. D'accord, bah c'est peut-être 7 qui ont explosé, je suppose. Du coup, ça fait à peu près. C'est pas grave, Roman, t'inquiète pas. Enfin, c'est pas grave. C'est. Ça fait. Ça va aller. À peu près 4000 balles qui se sont barrées en poussière. Ouais, mais c'est 7 fois moins de risque de se faire exploser en. On va te trouver une petite île, Benoît. Bah ouais. Mais c'est n'importe quelle île, Alex. J'ai pas suivi ça. Non, une île où il y a un flambeau à allumer. D'accord. Généralement sur les grosses îles, je sais pas s'il y a Plunder à côté ou pas, mais. À Plunder par exemple, il y a ce qu'il faut. Plunder, bah, c'est sud-est. Je crois que c'est juste à côté parce que je sais qu'on était pas loin tout à l'heure. Ok. Mais donc, du coup, Raven, mis à part cette petite maladie qui te cloue au lit, comment ça va? Il a pas le Covid au moins, le petit. Ah, bah, il faut lui demander, moi je ne sais pas. Et tu l'as récupéré ou Raven, as-tu la maladie tant à la mode 2021? 2020, s'il te plaît. 2019, si tu prends l'origine. Ouais, mais on parle de nous. Les origines, c'est un pangolin, gros.
Oui, mais peut-être qu'avant c'était autre chose aussi. Ah, c'était une pangoline. Bah, c'était avant, c'était sûrement le. Bah, c'est sûrement un chimpanzé qui avait le sida qui a copulé avec un pangolin et ça a fait. Ouais, voilà. Non, a priori, c'est pas ça, parce qu'il préfère être à l'écart des phénomènes de mode. Ah ouais, mais... choléra. Ouais, mais tu vois, sans le vouloir, parfois, sans le vouloir, parfois on est contaminé par la mode, même si on le veut pas. Bah ouais. Regarde, non, tout le monde a maintenant des téléphones portables hyper connectés. Hein, à l'époque, tatouer n'était pas une mode. À l'époque, les gars, écran noir, oui. Remontez les voiles surtout. Tournez la barre, lâchez l'ancre. Oh, ok, d'accord. Hop. Mais en fait, y a personne qui travaille sur ce bateau. Si, j'étais là-bas, regarde. Je t'ai vu, tu viens à peine de l'attraper. Moi, je suis allé sur l'île comme convenu. Merde, vous me faites chier. Vous avez votre repas qui est prêt. Moi, je suis en train de faire des pâtes en même temps là. Merde. Mon repas, il est pas prêt. Les pâtes, c'est pas compliqué, hein. Mon repas n'est pas prêt. J'irai le préparer après. Ouais, c'est ça. Mamako, on a faim. Allez. Non, il faut pas croire. Faut pas croire. Elle fait non, pas. C'est vrai. Tu dis oui, patronne. Elle fait pas bien à manger, donc du coup, des fois, il faut que je fasse moi. Oh Dieu. Et Mamako, est-ce que tu regardes le stream? Dis-moi qu'elle regarde le stream. Elle le sait, je l'ai déjà dit que des fois c'était pas assez cuit. Ah ouais, oui, mais c'est sûr que quand la viande, selon ce que c'est, elle est encore rose. Non, c'est pas tant la viande. La viande, pour le coup, tu vois, elle a fait bien cuire, genre les poulet pâtes, tout elle ça. Le sait c'est qu'il faut les mettre dans l'eau, hein. Le poulet et tout ça, enfin ça cuit super bien. C'est juste les haricots verts, les pâtes, tout ça, c'est très craquant. Ben c'est al dente. Ah, c'est al dente, hein. C'est un peu avant al dente. Elle veut me dire eh oh sur le live. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit eh oh. Eh oh. C'est le son de Mano. Elle m'entend. Je la vois bien avec sa terre. Je l'entends, tu parles. J'ai rien dit que je t'ai jamais dit en face. Ouais. J'ai pas dit que tu cuisinais pas bien. J'ai dit que les pâtes et les haricots verts, ce genre de choses, souvent, c'est pas assez cuit, que c'est un peu craquant. Bon, les haricots verts, d'un autre côté, ça, si vous les achetez, entre guillemets... juste à faire réchauffer, bon ça après c'est non, pas non, sortir. C'est pas des juste à faire réchauffer. Non, non, dans l'eau, hein. Elle achète des haricots verts frais, Mamako, qu'elle coupe les queues aux haricots et c'est des haricots verts. Oh, heureux de pas être un haricot. Benoît, c'est là. Ah ouais, elle s'est fait. Ouais, j'arrive. C'est je suis comme trompé ça que ça parce qu'il y en avait un autre ailleurs, mais je crois que c'est celui-là d'une quête. Non, non, c'est pas comme ça que ça se mange. C'est. Même toi, hier, tu l'as dit qu'ils étaient pas bons. Qu'est-ce qui se passe avec le bateau? Comment ça, qu'est-ce qui se passe avec le bateau? Mais il roule. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, non, mais moi je te parle de ceux d'hier. Je te parle pas de d'autres haricots. Oui, mais c'était pas sa cuisson qui était pas cool, c'était les haricots en eux-mêmes qui étaient et pas. Et les copains, le bateau. Non, non, bateau, c'était pas les haricots en eux-mêmes, hein. Ils étaient juste trop pas assez cuits en fait. Hein. Mais qu'est-ce c'est qu'il pas fait qu'ils le étaient bateau pas bons. Je sais pas, je vois pas. Mais qu'est-ce que vous faites au bateau? Benoît, viens lui mettre la chaloupe. Mais qu'est-ce qu'il fait le bateau? L'ancre elle est tirée et il avance dans l'île. Mais what the fuck? Attends, je vais voir mais ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que tu fais, Mino? Il est où le bateau? Je sais pas où il est le bateau. Mais ça y est, il a arrêté de bouger là. Ah, oh, mais c'est toujours quand je me rapproche que ça s'arrête. Chaque fois c'est pareil. Voilà. Parce que t'es pas là dans les bons moments. Et oui, mais le baril explosif, d'ailleurs, on en a fait péter plein tout à l'heure. C'était cool. Mais regarde où il s'est mis. Mais qu'est-ce. Et j'ai plus ce que tu m'avais dit la première fois. Maintenant, je fais en sorte de toujours en avoir un pour. Si jamais je suis invité sur un bateau. Bon, je vais rester pas trop loin parce que. Ben, je le vois, je vais il est très bien pas ce bateau. Du bateau. Parce que s'il continue à rebouger comme ça. C'est par là des quais que je dois aller. Ben, c'est tout en haut, Benoît. T'es où? Regarde, suis-moi. Viens avec moi. Je t'emmène. Viens, je t'emmène. Emmène-moi. Je t'emmène. Emmène-moi. Oui, je t'emmène. Cet
qui colle à ma peau. Ça, c'est un Pokora, non? C'est juste là, haut, tout en haut. Emmène-moi, je crois. Emmène. Non, c'est pas un Pokora, emmène-moi. C'est. Comment il s'appelle? C'est Du coup, Goldman. Alex, du coup, tu vas te faire quoi à manger après alors? Si ton repas n'est Je pas sais prêt. pas ce que je vais faire à manger après, on verra. Il n'y a rien qui s'est activé. Mais si. Non? Non. Ah, C'est-à-dire. Loïc, Oui. est-ce que tu peux refaire avec le bateau? Quoi? Est-ce Faut que qu'il je s'est fasse quoi avec passé? le Parce que du bateau? coup, même moi, j'ai pas vu en fait. Je suis un peu déçu. Mais je dois faire quoi avec le bateau? Ben, ce que tu as fait tout à l'heure là. Mais j'ai rien fait, c'est le bateau qui a bougé tout seul. Et tu peux pas le refaire? Ah ben non, c'est pas moi qui peux faire bugger le bateau et le faire avancer dans l'île, hein. Ça, c'est parce que tu n'as pas envie. Non mais Il regarde, dit, il est fou il le est bateau. allé se caler dans des cailloux. Hein. Bon, attends, on va essayer de reproduire. Mais tu veux reproduire quoi? Ben, ce qu'on vient de faire. Ah, je suis bloqué. Il suffit de foncer sur l'île avec le bateau, de lâcher l'ancre au dernier moment, que toi, pile au moment où je te dis tourner le bateau. Tu rattrapes la barre en me disant j'ai la barre. Oh, ça fait beaucoup de conditions à Oh remettre. Hein. gros, t'es sérieux? Quoi? C'était avec un feu spécial qu'il fallait le faire. Eh ben, t'as qu'à te mettre le feu et tu meurs et tu reviens. Moi, il n'y a pas marqué qu'il fallait un feu spécial, il est marqué avec n'importe quel feu. Si, 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 c'est marqué. Alors. Avec n'importe quelle flamme tu sors. Mais t'avais pas la flamme bleue ou blanche tout à l'heure? Entre-temps, j'ai remouru, quoi. Entre le requin et maintenant, t'es mort? Ah bah oui, tu t'es fait péter par le tonneau explosif. Bah ouais, mais bon, quelle idée de mourir. Bah il y a plein de flammes de couleur sur le bateau. Ouais, bah, faut que j'aille au bateau. Oh là là, monsieur doit marcher. Je vais mourir, ça va être plus simple. Oui, je pense qu'il veut s'aborder mon stream. Il veut pas participer. Pardon? Pardon? Le dit concerné réapparaît. Qu'est-ce que tu veux pas participer à quoi? Mais on est bloqué là? Ou c'est moi? Mais qui c'est qui a lâché l'ancre? Je l'avais pas levé? Oui, maintenant que c'est allumé, des cailles, je vais plus pouvoir rallumer de trucs sur cette île. Bah tu jettes un seau d'eau dessus. Ou je pense que tu peux changer la couleur de la flamme. Bah écoute, sinon tu viens avec moi avec un seau d'eau et moi je prends une nouvelle flamme et on essaie. Bah pourquoi tu peux pas prendre le seau d'eau avec toi? Ah si, je peux changer la flamme et le seau d'eau, c'est vrai. Je J'allais dire, putain, mais quand veux-tu que je fasse les deux à la fois? Par contre, tu pensais, j'arrive pas Ça a l'air compliqué pour Qui toi est-ce qui y maintenant. arrive? Je sais Mais pas, qu'est-ce ça a que tu l'air. fais toi? Toi, tu fais Mais quoi avec le bateau? Je comprends pas le délire. Hein. je veux Mais les cailles, pourquoi tu recommencer. te casses? Mais je reviens. Et je croyais que tu allais venir en mourant. Oui, mais j'ai pas réussi parce que je trouvais pas comment mourir. Mais du coup, j'ai trouvé comment mourir, c'est bon. Regardez la plage, vous allez comprendre. Ouais, et donc? Il se passe rien. Hein. Si. Qu'est-ce qui est censé se passer? Et voilà, maintenant il regarde plus. Mais il se passe rien. Bah, t'es mort. Là, il est mort. Il s'est rien passé. Bah t'as pas vu l'explosion parce que t'as regardé la voile. J'ai pas vu l'explosion parce que on est trop loin de toi. Non, parce qu'on a bien vu mon spectre. Ah moi j'ai pas vu sur Je sais que mon. tu ne me regardes plus comme tu me regardais à l'époque. Moi je l'avais pas ton spectre. Hein. Ah si, moi je l'ai vu sur ton live. Ah bon? J'ai vu ma ligne spectrale. Ouais, ça a pas refait. Je suis peut-être un peu trop monté en fait, c'est pour ça.
Ah, par contre, il faut peut-être boucher. Ouais, mais c'est Louis qui doit le faire, je pense, non? Bon, c'était comme ça, t'y a de quoi prendre un seau d'eau. T'inquiète, je m'en occupe, hein, si tu veux monter et faire ta flamme. Alors, hop. Bah, si vous me prenez l'eau aussi. Y a assez d'eau pour nous deux, là. Oh non! Qu'est-ce que tu fais? Mais t'as une flamme blanche dans la main, non? Non. Voilà, là, c'est bon. Ah, tu viens d'allumer deux flammes de la mauvaise couleur, là, c'est ça? Oui. Non, c'est parti, let's go, à plus tard. À plus tard, hein, peut-être. Ah, bon, bah, du coup, désolé, mais, le bateau, il veut pas remonter sur l'île. Sauf si on l'oblige à monter sur l'île. T'as demandé à son le consentement à l'île? Si t'as le droit de lui monter dessus? Ouais, t'inquiète, y'a ses gardes du corps, ils me disent pas non là. Ça monte. Le parking. Ah, j'ai lâché. Loïc, t'es dans le bateau? Loïc, es-tu là? Je suis là, pardon. Excuse-moi. J'ai un équipage qui abandonne le navire. Je peux pas dire, mais... Non mais je répare le bateau en même temps que tu fais tes conneries de alors c'est là. Pas des conneries hein. Le problème c'est que t'es monté mais le problème c'est que comme il n'y a pas d'eau qui rentre je sais pas où ils sont les trous. Bah là où il manque du bois. Ouais mais comme c'est pas visible parce qu'il fait tout nuit dans la... Oh putain là c'est bon là je sais où c'est qu'il est. Bon éclaireur en herbe est validé. Allez monte le bateau. Je suis à 6 sur 57. Alors attends. T'es où? Ah, dans un quart d'heure, je change de live. Tu changes de live? Pourquoi? Ouais. Parce que c'est le tournoi. Tu quittes le meilleur live du monde? Ouais. Pour le deuxième meilleur live au monde. Non, je déconne, pour le deuxième meilleur duo au monde. Non. On va y arriver à le parquer ce bateau là. Il veut pas rester hein. Non, il veut pas. Il lâche direct. Si on le met un peu en latéral. Les gars, vous savez que c'est dangereux ce que vous faites, il y a un squelette avec un tonneau sur la plage. Et au pire des cas, il va se passer quoi? On va couler? On peut pas couler. Bien parti pour, non? On n'est pas sur l'eau. Ah, t'es mort, Benoît. Ouais, oui, bah il s'est passé ce que j'ai dit, quoi. Mais ça a pas tapé sur le bateau. Essaye de tirer de ton côté, Loïc. Le problème, c'est que ça fait tourner le bateau. Ouais, mais c'est ça, c'est pour que ça monte un peu plus de ton côté. Parce que là, on est trop du mien, je trouve. Mais je crois que ce que t'as réussi à faire la dernière fois, c'est la seule fois où on arrivera à le faire. Mais je t'ai expliqué pourquoi ça il était pas redescendu. C'était c'est parce que j'avais bloqué le cul dans le ponton. Ah. Est-ce qu'on peut pas le bloquer quelque part là le cul? Sur une chaise. Bah non. Ah non là non ça va être chaud là.
Il n'y a rien pour le bloquer là. Bon. De toute façon. En fait, je suis monté sur l'île. Et une fois que je suis monté sur l'île, quand il a voulu redescendre, il est parti sur la gauche. Et du coup, il s'est bloqué contre le ponton. D'accord, ok. Donc forcément, il pouvait plus redescendre. Ah oui, sinon le bug, il est pas possible. Dommage. Eh ben tant pis, on mettra pas le bateau sur l'île. Pourquoi il y a le feu sur le bateau? On va savoir. T'as loupé! Je t'ai vu, t'as loupé! C'est trop nul! Bah, pourtant j'ai mis l'eau sur le feu. Hein. Du coup au niveau des tâches, on est bien là ou pas là? Bon bah écoute, pour le moment je pense qu'on dira qu'on est bien. Il y a que la toute première tâche là, de la première quête que je ne sais pas, connais pas. Alors attends. La toute première tâche de la toute première quête. Ah oui, voyageur novice. Non. Ça crame. Non. Des épreuves de l'exploration. C'est vraiment la seule que je comprends pas comment faire. Trouver et examiner. Ouais. Mais peut-être qu'après ça a bugué, mais que tu l'as fait, le fait que t'aies regardé le truc là. Bah je sais pas, mais en tout cas il a pas marqué que je l'ai fait. Donc. Alors que toutes les autres tâches elles fonctionnent. Alors je comprends pas pourquoi celle-là. Oh, j'ai tiré à côté. Je comprends pas pourquoi c'est là, il veut pas me la donner. Alors peut-être parce que justement j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Je suppose. Bon messieurs, le live aussi, je vous parle à vous aussi. On va faire une pause pour manger en fait. Faut que je prépare à manger aussi, donc du coup, faire une petite pause, on revient après. Vous êtes chaud à jouer? Au revoir. Après vous voulez jouer après? Moi Constance, ça arrive à 22h30. Ok, donc toi peut-être que tu seras pas dispo. Benoît, toi t'es dispo? Pour après? Si ouais. Si tu rejoues après, ben, ouais, si ça tu rejoues. Bah peut-être pas du Sea of Thieves, mais je sais pas si on joue à autre chose. T'es bah, dispo. Si elle est motivée pour plus ce soir, ça démotivé pour un Gartic Fun ou un truc comme ça de nouveau. Ouais, Gartic Fun ou après, je sais pas, on verra. S'il y a du monde, sinon on se fait un petit jeu, un autre jeu, voir si on peut se faire. Bah, si tu voulais faire l'escapiste l'autre jour. Ah oui, c'est vrai. Donc, si t'es chaud. Ouais, on peut tenter un escapiste. Si on est que tous les deux ce soir, on peut tenter ça. Ok. C'est quoi l'escapiste? C'est le truc de la prison, hein? Ouais. Ouais. Allez, ça va. Bon, ben, messieurs, je vous fais des bisous. Surtout toi, Bookie, vu qu'on se revoit peut-être pas après. Le live, je vous fais des bisous. Si vous n'êtes pas là plus tard, Raven, par exemple. Bah, je sais pas si tu seras là. Je sais pas quand d'ailleurs. Je vous dis, moi je reviens tout à l'heure. Pas sur à le chat. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, ciao. Ciao. Ah, j'ai loupé ma transition. Ciao.